Est-ce que ça marche? Est-ce que vous nous entendez, les gens? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous entendez François et est-ce que vous m'entendez? François est au-dessus de moi. C'est rigolo parce que ma cam, elle est un peu bleue. Ah ouais, mais moi, faut que je change les couleurs. On dirait que j'ai du rouge à lèvres, là. C'est horrible. Je te jure. Après la robe verte, ouais. Tu... Ouais, mais quand c'est comme ça, je suis beaucoup trop sombre. Attends. Moi, j'ai du retard sur l'image de ton stream, donc j'ai pas encore le... Voilà. Le lancement, là. Comme ça. Si je fais ça, attends. Des fois, je faisais ça avec ma lap. Faire, t'es encore sur l'écran de chargement ou... Non, non, c'est passé. Ah, mais moi, je suis encore à 30 secondes de chargement. Non, mais mets à jour. Ça, c'est un décalage. Mais donc, la technique, c'est good. On a l'air de nous recevoir. Voilà, si je mets une lampe comme ça, vous me voyez. Il faut pas que ça se casse la figure et puis vous voyez la lampe. C'est n'importe quoi, ce stream. Voilà. Voilà. Allez. Comme il y avait, encore Alain Vizotti, il n'y a pas longtemps. C'est clair, j'ai changé le titre il n'y a pas longtemps. Donc bonjour à tous et bienvenue aux gens qui sont sur Facebook et sur Twitch. Bonjour François, comment vas-tu François? Eh ben très bien. Bienvenue, très bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Parlez-vous Trompette, c'est le troisième déjà. Quatrième même. Non, attends, qu'est-ce qu'on a fait? Ben si, on a fait Morrison, Caleb, Hudson, Vizotti, ouais, et donc c'est vrai. Là... J'avais oublié. Ce soir, c'est un numéro spécial parce qu'en fait, on a en Skype Reinhold Friedrich. On va le faire rentrer bientôt donc on dans la introduction, salle. Voilà, on va lancer l'appel. Et puis on va le, c'est l'intégrer. C'est une traduction en direct depuis l'allemand. Donc je vais faire ce que j'ai pu parce que j'ai on n'a pas changé le drapeau, c'est vrai, on n'a pas changé le drapeau, mais Reinhold, c'est Arthur. Voilà, c'est Sprechen die Trompette. Yeah. En fait. Le mec se maquille exactement, Captain Cameron. Le mec est en train de se maquiller. C'est comme à la télé, il faut te maquiller. Est-ce que c'est bon à la régie? Est-ce que c'est bon derrière? Le titre du stream n'est toujours pas bon. Bon, peut-être qu'un jour, ça se sera bon. Alors, bah François, je te laisse présenter Reinhold Friedrich, qui nous rejoint tout de suite. Alors... Qui est Reinhold Friedrich? Qui est Reinhold Friedrich? Alors... Wikipédia, parce que je sais plus où il est prof. Il est prof à la Hochschule de... Hambourg, non? Attends, Célestin est allé... J'ai le doute. Célestin est allé, alors... Karlsruhe. Ah, voilà. C'est ça. Et donc, à la Royal Academy de Musique de Londres, aussi en prof invité, etc. Mais donc, il est à Karlsruhe. Ah, Célestin, il a pris des cours avec lui, trop bien. Ouais, il a fait un Erasmus, hein, carrément. Bah, immense trompettiste, immense pédagogue, et voilà, un des monstres sacrés un peu de la trompette, quoi, quand même. Tout à fait. Sérieux, ah, on est figé? Comment ça, on est figé? Moi, ça va très bien, hein. Moi, je vois des images très figées en regardant ton stream, mais je sais pas si c'est parce que mon internet est en train de décéder ou... Attends, je finis la présentation. Non, moi, normalement, ça va, il me dit pas de perte d'image, hein. 0% de perte d'image en allemand. Ah mais attends, tu sais bien qu'on est des dingues, Tatiana. Eh oui, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche ein bisschen Deutsch, tout. Tout. J'ai oublié mon allemand. Alors, j'ai oublié mon allemand. Putain, c'est la honte parce qu'en plus j'ai fait allemand LV1, quoi. Euro-allemand et tout, j'ai tout oublié. Je suis allemand LV2. En fait, c'est toi qui vas traduire ce soir, finalement. J'ai tout oublié. Je suis désolé, les amis, mais c'est pas grave, ça va vite revenir. L'allemand, c'est pas une langue si compliquée. Bon, heureusement, Reinhold, il parle un peu anglais, donc on va y arriver. Voilà, donc ça ira. Et j'ai mis le nouveau statut. Donc, on peut... Tu retiens un rire, non, c'est bon. On peut accueillir Reinhold tout de suite. Attention, c'est parti. Attends, je vais quitter ça, comme ça. C'est bon. Hop. Et voilà, il n'y a pas de surcharge. Et on se Skype. Arzo, guten Abend, ah, et c'est raté. Et voilà, les gens, ils voient tout de suite que c'est une vidéo, là. quel échec sur ce poisson d'avril. De merde. Eh oui, on a essayé de rester sérieux, mais... Ça marche pas, ça marche jamais, tu sais bien. Moi et sérieux, ça fait 3, quoi, c'est pas possible. C'est ça. Donc voilà, ce sera pas du tout Reinhold Friedrich. Il est juste en photo, en fait, sur l'écran. Et puis, c'était Alan Vizotti. Reinhold, si tu nous regardes. Désolé, ce sera la vidéo de la masterclass. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass, ouais. François?
Eh bien, c'est une masterclass assez récente, en fait, c'est ça qui était intéressant aussi, c'est une vidéo de 2019, donc ça va nous changer des vidéos des années 80 avec un son pourri de Alan Vincenzi. Je parle pas de son de trompette, hein, je parle de la prise de son de la vidéo. Et donc là, c'est une masterclass qu'il a donnée au conservatoire Reine Sofia en Espagne, avec une jeune trompettiste qui joue Tomasi. Je n'ai Voilà. plus le nom de la jeune trompettiste, mais elle est dans les. Je crois qu'ils ont mis son nom dans Ah zut, le montage j'ai noté YouTube. le nom de l'accompagnatrice qui est Eriko Takezama, mais j'ai pas noté le nom de la trompettiste. Mais peut-être qu'ils vont l'écrire aussi dans la vidéo. Ouais, et donc on va pas. Il va. On va travailler, je crois, Tomasi jusqu'à la cadence, hein, seulement. Ouais, et donc la vidéo est assez longue, elle dure 38 minutes, mais il y a beaucoup de jeux de trompette aussi. Et en plus, la trompettiste joue très bien, donc c'est intéressant. Et puis de voir bah, les conseils. Ce qui est intéressant toujours quand on voit des masterclass, si on veut affûter son oreille critique, c'est de vous écouter la trompettiste, puis vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais dire? Et puis si Reinhold lui dit comme vous, c'est que vous avez tout compris. Tatiana, elle dit trop chou votre poisson d'avril. Mais ouais, t'étais à fond, on a vu, franchement, on avait. Ça nous Ouais, brisait le cœur, quoi. elle pensait qu'on allait faire 1 heure en allemand, mais non. Non, bah non, certainement pas. Non, mais par contre, j'ai une amie qui est prof de français en Allemagne maintenant, et c'est vrai que je lui avais demandé si on pouvait traduire, tu sais, comme j'ai fait les petites vidéos là de Charles Wagner et tout, des courtes vidéos, si elle pouvait m'écrire juste le texte qui dit, que je puisse recaler un peu. Moi, je t'ai grillé, mais Et moi, je sais bonsoir, pas Luc. mentir. Salut, loulou. Du coup, on va y aller, on va démarrer la vidéo. Par contre, juste avant de démarrer, moi je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment dégueulasse. C'est qu'ils ont commencé la vidéo par, je crois, le pire passage où elle joue, quand elle foire juste le début de Tomasi. Je pense que c'est tellement collector, c'est vraiment des C'est enfoirés. parce qu'il faut montrer qu'il y a des progrès grâce à la masterclass, quoi. C'est vraiment des enfoirés d'avoir fait ça, je trouve. Attends, si je fais ça, je suis dans le noir. Non, je suis vraiment obligé de laisser ma lumière à côté de moi, quoi. Ça fait kéké, mais c'est rigolo. Friedrich, il joue pas avec l'orchestre des Champs-Élysées des fois? Oh, je sais pas du tout. Une bonne question. Alors là, Est-ce que c'est ouais. encore un poisson d'avril, Loulou? Alors, C'est si ça, vous êtes sur peut-être. Facebook, vous pouvez. Bonjour Jean-Michel. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch quand même. Le chat de Twitch est mieux foutu. Et on discute beaucoup mieux sur Twitch que sur Facebook. Sur YouTube, ça ne marche plus. Je crois que je me suis fait interdire pendant 30 jours Fait de ban live. avec tes droits d'auteur là. Bah, j'ai eu deux alertes, mais pas sur des vidéos en direct. Mais tu sais, des trucs où tu joues un Sur le morceau de Disney? Disney. Ouais, sur les Disney. Et sur la Ah, quête de j'étais Jacques sûr que Brel. t'allais te faire striker sur le Disney. Disney, c'était évident. Et après, j'ai eu aussi sur la quête de Jacques Brel. Je l'ai eu aussi. Donc voilà, ça c'est pas très grave. Mais bon, du coup, ben, il n'y a plus de live sur YouTube en ce moment. C'est pas très grave. Finalement, Twitch, c'est le mieux. Et venez sur Twitch, c'est fait pour, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Et comme ça met de la musique sur Twitch. Ça permet de changer un petit peu. Mais oui. On parle peut-être avant de partir de Trompette Actu. N'hésitez pas à aller voir Trompette Actu. Hein. On a atteint plus de 350 téléchargements avec l'application. Ça fait plaisir. Après, Voilà, et d'ailleurs, maintenant. c'est le soir. C'est le dernier soir pour participer au tirage au sort. Au Oui. giveaway. Donc ça, faut le faire. On peut gagner une housse de trompette, une embouchure Ibrahim Malouf et un kit d'huile. Et franchement, l'embouchure, elle vaut 80 balles déjà. Hein. C'est énorme. Moi, je suis deg parce que franchement, je la voulais. Mais on peut pas participer parce que si je gagne, tout le monde va crier à la triche. D'ailleurs, il faudra que tu changes ton robot, t'as écrit Ibrahim Ah ouais? Ah bah c'est tant pis, le concours, ça finit ce soir. Malhoud. Oh là là, ça c'est drôle. Mais personne n'a rien dit pendant un mois de concours. Bon, on arrête de... Du coup, on arrête de parler, je suis trop bavard encore une fois. On va commencer tout de suite la traduction de la vidéo, c'est parti. Elle dure 40 minutes, mais comme tu disais, il y a très peu de texte et beaucoup de musique. Et bienvenue Jean-Michel. Et bienvenue Vassodi. Allez, c'est parti. C'est qui Maloud? Collector. Pofi. L'idée, c'est de ne pas jouer vers le haut. Et du coup, là, il vient de dire de faire ce qui veut dire plus ou moins. Voilà, de projeter l'air, quoi. Tout droit, quoi, de pas aller vouloir grimper sur une note aiguë parce qu'on va se coincer et c'est ce qui se passe, elle se met devant et puis ça va pas en dessous. Donc on retient ne pas penser vers le haut, et ça, encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde dit, que beaucoup de gens disent. Il y a une Ouais, question de de remettre Rodolphe la Troisi qui piste. demande si c'est payant Twitch. Non, c'est entièrement Mais gratuit. non! Non.
Vous pouvez vous abonner si vous voulez pas avoir les 15 secondes de publicité avant, 15 ou 30 secondes d'avant. Mais après, il y a zéro publicité, c'est entièrement gratuit. Il y a des abonnements, mais c'est complètement facultatif. Hein. Donc, voilà. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la chaîne de tous nos partenaires, la chaîne de Tubarama, la chaîne de François. Tu live demain matin d'ailleurs ou pas, François? Oui, 10h30. Ah bah voilà, 10h30. On explore la méthode forestier. Voilà, je vais mettre le lien. Ah bah non, sur Facebook, je peux pas écrire. Mais donc 10h30 chez François. Moi, je serai là aux alentours de 13h30. Et si vous commencez, je crois qu'à partir de 9h, il y a même Tubarama. Dès 9h. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et Loulou aussi souvent le matin, je sais pas pour demain. Mais... C'est vrai. Franchement. On peut faire un petit enchaînement en cuivre comme ça toute la journée. Il y a toujours des gens et c'est entièrement gratuit. Donc faut pas hésiter à venir. La clochette, on l'a tous fait au moins une fois, ça. T'as regardé, t'étais crête. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. C'est Allez, ça. C'est parti du coup. On continue. Donc là, première chose qu'il vient de dire, c'est faut penser à projeter et pas penser à aller vers le haut, quoi. Ouais. Yeah, the idea is use fast air. Donc l'idée, c'est utilise de l'air rapide. C'est rigolo, t'as vu son ventre quand il fait... Oui, c'est ce que j'allais dire, on voit l'effort c'est un truc de fou, quoi. Abdominal. On peut le remettre juste en arrière, part, mais... Quoi, l'énergie, hein. Bon. Sur le ventre ouais. Après, on le voit fort, là. Là, t'as ça. On voit plus au début, quoi. On dirait qu'il contracte, carrément, quoi. Ouais. Non, j'ai pas streamé Maridor, j'ai eu des réunions. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire là? J'ai été déconcentré par Jean-Michel. Je crois qu'il parle de l'embouchure et tout, on va réécouter. Là, c'est là où on voit que ça se contracte à mort. On sache pas. All changes of the. Of the tessitura is done by mostly by the air with some little help of the embouchure. But the embouchure is only. Voilà, il dit que tous les changements de tessiture, tous les changements de tessiture sont faits principalement par l'air avec une toute petite aide au niveau du masque. Et donc oui, Tatiana, j'ai monté le son de l'embouchure. J'ai monté le son de l'embouchure. J'espère vous me direz si c'est assez. Yeah. Alors attendez, en fait, il faut que je baisse François. Là, vous voyez la tête de François. Hop, très bien. Voilà, c'est beau. Donc, j'ai baissé François, comme ça, j'ai laissé la vidéo, elle est plus rapide. On réessaye. Ok. Ok, bon, bah, elle va le rejouer. Sorry. Ah, comment il la coupe là. Je vais juste répondre à Romain.
Le lien de Twitch, Romain, c'est www.twitch.tv/FabienFlamand. Je peux pas l'écrire parce que t'es sur YouTube. Et donc, ouais, elle a fait une belle intro quand même. Ouais. Elle joue vachement bien. Franchement. Hein. Espianissimo. Voilà, c'est Espianissimo. Eh, on a une question de Vassodi, je vais te laisser répondre François, parce que moi je serais un peu trop partial. Il demande s'il faut avoir du beat pour jouer de la trompette. Non. Non, la réponse est simple, non. Alors regarde, il y a Lucien Renaud-Navary, Clément Saunier... ah, on a beaucoup d'exemples de trompettistes très minces, très sveltes. Bah, tu dis Lucien, mais Tin Singel 7, Alison Balsam... Marie-Elisabeth Bowden... Voilà. Nathan Wagner, le mec, il a des abdos. Attends. C'est un peu, en effet, l'image d'épinal du trompettiste, avec voilà, bien en chair et tout ça, mais pas que. Ouais, non, ça a changé. Bon, du coup, là, il se moque parce qu'elle a pas joué pianissimo, en fait, c'est ça. Voilà. Oh, mal à l'heure. Non, mais là, papa, so nearly to whisper. C'est presque un murmure. And the first pianissimo without crescendo. Premier pianissimo sans crescendo. Là, on n'a pas la partition, ça aurait été intéressant de la mettre, du coup. Ah, ben oui. Je ne sais pas si tu peux faire ça, mais... Bah, je peux l'intégrer, mais il faut que je trouve une place dans le stream. Ah non, bah, tu sais quoi, on la travaillera sur les streams, comme ça, les gens peuvent venir écouter nos streams. C'est vrai, tiens, c'est une bonne idée. Franchement... Demain, on fait Thomasy. Allez, go. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un play along du deuxième mouvement, si tu veux tester ça, sur le Trumpet Records. Et il est vraiment pas mal fait, je crois que je l'avais fait une fois. Et c'est assez joli. Pour y penser demain. Eh ben avec plaisir, Romain. Oui, on nous cite aussi Céline Haute. C'est vrai que Céline Haute, elle doit faire 50 kilos tout mouillé. Donc, et pourtant, elle joue probablement mieux que moi, qui fait beaucoup plus. Et Alain Vizzotti, ouais. C'est vrai, Alain Vizzotti. François Frémaux, loulou corniste, dit. Voilà. Ah non, c'était que tu m'as pas vu en vrai. Non mais, là, tu fais 60 kilos, il se plaint. C'est qu'est-ce que c'est que ce scandale. Alors, donc on continue. Et salut Liro Jenkins, bienvenue. And do your... Monster power, female power, yeah, we like very much. Very good. C'était pas un peu sexiste ce qu'il vient de dire? Voilà. Un pouvoir de monstre, un pouvoir de femme, c'est ça qu'il dit, c'est un peu non, bizarre. Ouais, il fait la blague, il dit allez vas-y, female power. Tout, quoi, en gros, quoi. Oui, SVP la partoche, bah, on verra ça dans les streams de la semaine prochaine. Et peut-être demain, François se laissera tenter par Thomasy. Voilà. Demain, voilà. Let me say something to the beginning. I mean, you so laisse easy. Laisse-moi dire un truc par rapport au début. Pam, yeah. So when you go over the airspeed, you catch very immediately very fine, good quality of sound, everything perfect. Donc, dès que tu vas directement sur la vitesse de l'air, et ben tu as tout de suite une bonne qualité. Tu attrapes tout de suite une bonne qualité de son. I would agree with one little detail. There's a recording by Wynton Marsalis. And he plays... Il va tailler Wynton Marsalis, là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense, ouais. Il dit... bon, c'est très bien, un petit détail près. Il dit, il y a un enregistrement de Wynton Marsalis où il fait... Et il n'a pas l'air d'être d'accord avec ça. Voilà, on va voir ce qu'il dit. Ah oui, il ralentit, quoi. Ah putain, ouais, on voit les différences de tempo. Faudrait qu'on réécoute, du coup, Wynton Marsalis. Ouais, ça, exactement, c'est ce que je me notais, là, je veux dire. C'est fou, d'ailleurs, qu'il cite comme ça une autre... Une autre version. He's doing that, and he can do what he wants. I mean, he's a very world famous. Il fait ça, il peut faire ce qu'il veut. C'est un des plus grands, célèbres trompettistes. C'est clair. Attends, il y a des gens. J'arrive pas. Je peux pas écrire sur le chat avec mon ordi. Sinon, je perds le contrôle de la vidéo. Je suis sur mon téléphone sur le chat. C'est la honte. Non, mais si tu parles en même temps, Fabien, je peux pas entendre ce qu'il dit. Okay. Allez, on remonte en arrière. First pianissimo without crescendo. Yeah. And then you can do your monster power, female power. Ça, on a vu ça. Let me say something to the beginning. I mean, you so easy, yeah? Yeah. So when you go over the airspeed, voilà, donc c'est facile quand tu places sur la vitesse d'air.
Italy, very fine, good quality of sound, everything perfect. Voilà, tu trouves très bien, belle qualité de son, tout est parfait. Je ne suis pas d'accord. With one little detail. Avec un petit détail. C'est là où il va parler de Marsali, je crois. Voilà. There's a recording by Vincent Marsalis. And he plays the grand tata dum ba dum. Marsalis, ding dong da di di da di da di di di. Da 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 dum ba dum. Da 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 di da 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 di da di. So he's doing that, and he can do what he wants. I mean, he's a very world famous trumpet player, but it's not written by the composer. Donc voilà, il peut faire ce qu'il veut parce que c'est un des plus célèbres trompettistes du monde, mais c'est pas écrit par le compositeur. Et Romain d'April nous a rejoint dans le chat Twitch. Bienvenue Romain. It's by the composer's written Vif. And of course we have something what we call tradition, French tradition, whatever. Voilà, donc il y a le texte et puis il y a ce qu'on appelle la tradition. Il dit bon, la tradition française ou peu importe, mais la manière de jouer quoi. Ouais, de jouer ce concerto, les habitudes qu'on va avoir. What Vinton is doing is fast, slow, and I don't see that. I don't see that in the oui, music. On a l'habitude de faire rapide, lent, mais moi je vois pas ça écrit dans le texte. Donc lui, ça lui plaît pas. C'est ce qu'il appelle son petit détail, c'est qu'il c'est veut ça, être respect un peu du texte. Exactement, il fait une démarche à la Harnoncourt, revenant vers le texte au lieu de copier ce que un tel a fait. Can we start once again from beginning and you make a smooth way you describe a smooth way to this fermata. Est-ce qu'on peut faire et que tu ailles d'une manière plus douce vers ce point d'orgue quoi. Est-ce qu'il a enregistré Friedrich Tomasi? Ah, bonne question. Moi je sais qu'une des versions de que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et que j'ai commencé à jouer ça, c'était celle d'Eric Obier. Ouais, bah en France je pense qu'on a tous écouté ça. Moi aussi voilà. C'est Eric Obier que je connaissais quoi. D'ailleurs je connais pas du tout celle de Marsalis. Oui, mais d'ailleurs je trouve c'est marrant, Tomasi c'est un peu comme Haydn, c'est un des concertos où on se rappelle le moment où notre prof nous a dit bon bah tu vas bosser Tomasi maintenant, c'est un des concertos totem un peu notre répertoire. Et bienvenue à Zrock dans la communauté des trompettistes. En revanche, il va falloir que quelqu'un follow bientôt, parce qu'on est à 666 là. Ça fait vraiment moche. Là, si vous voulez que ça se passe bien, faites un truc quoi. Parce que c'est con sinon. Alors, du coup, on enchaîne. Vous avez pas vu l'alerte, c'est dommage. Donc on refait le début là, c'est ça? Il demande d'avancer la deuxième partie. So, continuously taking out the tempo, not change of tempo. Voilà, donc il lui demande de changer progressivement le tempo et pas de changer le tempo au milieu de la phrase, de pas faire il y a pas pa 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 pa. Et ok, d'accord. Ouais. Mais de Romain dit on l'a tous celle d'Aubier, ben ouais on l'a tous. Moi je sais que j'avais écouté Guy Touvron aussi qui jouait Tomasi, c'était vraiment pas mal. Et il est venu même le jouer l'année de mon mariage, le lendemain de mon mariage à Tourcoing. Il faisait Guy Touvron, il faisait Tomasi, et pourtant il était déjà en fin de carrière, enfin bien avancé quoi. Et il avait joué en entier avec orchestre et on avait joué le double de Vivaldi et c'était vachement bien. Il avait joué au CRR de Paris aussi quand j'étais étudiant. Ah bah tu vois, il acceptait de mouiller la chemise, c'est beau. Et le Macané est là, donc c'est bien. Ce soir, il n'y a pas de quinte parallèle, le Macané, tout va bien. On ne devra pas tuer des chatons. Some people go a step further. Da 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 di di da di. And I think, wow, how can you do that if you read what is written? Il y en a qui vont même encore plus loin, qui font il y a da da da. Et il dit, mais comment tu peux faire ça si tu lis ce qui est écrit? Mais comme on n'a pas la partition, on sait plus ce qui est écrit, nous. Bah si, c'est... C'est croche pointe et double, en fait. Ouais, et c'est régulé. Voilà. Mais il y a un changement de tempo sur la deuxième partie de la phrase, quand même, non? Non, il y a rien d'écrit, c'est ce qu'il dit, c'est la tradition d'exécution française. Tu vois, c'est pas du tout écrit, hein. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait vraiment un changement de tempo. Il y a pas gadagada, il y a pas papa, il y a pas papa. C'est ça qui est écrit après, évidemment, on ne joue pas comme ça. Mais... Non, évidemment. Et donc Jean-Michel, il dit qu'il a un CD de Tomasi de 1986. Oh.
C'est intéressant. And you do this super, super slow thing. And it's not anymore scherzando. Yeah? It's called scherzando. Le mot qui est écrit au-dessus de la partition, c'est scherzando. Donc en s'amusant, quoi. C'est un petit jeu. Must also be a little bit scherzando. A little bit. Ce deuxième passage doit aussi être un peu scherzando. Pas trop, le début est plus scherzando, mais voilà. Il faut rester dans l'idée générale, quoi. Exactement. Il faut garder le caractère quand même, une unité, quoi. So, that is my little wish, yeah? You play wonderful the next line, the slow part. Tu as joué merveilleusement really bien la deuxième partie très lente. You continue very beautiful. If ouais, la partie sourdine était très belle. Five, you see, that is forte. Ok, avant 5, il dit c'est forte, c'est ça? Exactement. On va remettre avant. You continue very beautiful. If before five, you see that is forte. Before five, the three bars before is forte, and then the third bar after five it's pianissimo. Détaché. Voilà donc. C'est marrant comme il parle vraiment du texte, quoi. Le mec, il s'accroche à ce qui est écrit, quoi. Donc il dit voilà, là c'est forte, là après c'est pianissimo, détaché, donc il faut vraiment contraste. Hein. Je crois que c'est Marc Gejon qui disait ça il n'y a pas longtemps, ou Clément Sonnier dans les streams du dimanche, là, où il disait déjà si tu joues 100% de ce qui est écrit sur la partition, c'est déjà la moitié de gagner. Non, c'est Clément Sonnier qui citait Clément Garec, et qui disait Clément Garec, il dit déjà si tu joues tout ce qu'il y a sur la partition, c'est déjà, ça sera déjà très très bien. Quoi. C'est ça, bah, c'est toujours ce qu'on nous disait, et c'est vrai que la trompette en général, il y a une tradition d'avoir un respect comme ça très scrupuleux, très pointilleux du texte, mais en même temps c'est bien, quoi, c'est important. Ouais, c'est clair. Mmh. Et c'est un truc que je sais pas si tu te souviens, mais quand on travaillait avec Clément Saunier, un truc que j'avais capté chez lui aussi, c'est que il connaissait la partition par cœur et c'était vraiment tout, quoi. Là, il y a un accent, là, il y a une liaison, là, tu peux pas passer. Et le mec, il laissait rien aux élèves, quoi. Ouais. Bruno Nouvion, Gérard Boulanger aussi. Gérard Boulanger, il est très fort pour ça. Il sait toutes les pages de tous les exercices d'un bon par cœur. Ouais. Et on avait travaillé Anthony Plogg avec lui, ce qui est quand même pas facile, postcard, et il se souvenait de tout, quoi. C'est impressionnant. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être le secret en fait d'être sérieux. Attention, on ne peut pas mettre de lien aux mains. Tu découvres ça sur Twitch, hein. Mais sur Twitch, pour éviter, je vais unban du coup. Ouais, éviter les liens à tout va. Il faut avoir une permite. Mais c'est pas grave, j'ai eu ton lien, donc je poste ton lien. Voilà. C'est la version de Winton Marsalis de Tomasi. On pourra l'écouter après, ce sera intéressant, tiens. Et oui. Pour voir ça. Merci, Romain. Alors, on va remettre en route du coup. We can perhaps bring some new effect in this game. But voilà, il parle de la partie pianissimo détachée. Peut-être que tu peux apporter un nouvel effet dans ce passage. Ouais, on a vu que c'était le lien Romain. Il n'y a pas de souci et je le mets en formation après. Mais sur Twitch, pour éviter les bots, parce qu'il y a souvent des bots qui débarquent et qui mettent des liens pour acheter des followers. Et ben on bloque les liens, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que tu peux leur en acheter un pour passer à 667. Mais... Ah, peut-être, ouais, c'est une bonne idée. Tiens, je vais y aller, là. I like your playing. Non, je vais me faire un petit compte. Ah merde, ça a démarré, attends. Il dit, j'aime ce que tu fais, j'aime bien ce que tu fais. Ouais, mais derrière, t'as pas entendu, mais il y a Winton Marsalis qui a démarré, donc c'est bon, hop. Du coup, les gens, ils ont eu... Pas là, en plein milieu, quoi. Et je me dis, mais elle est pas en train de jouer, là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, du coup, on remet un petit peu en arrière. J'ai pas entendu ce qu'il disait. Brilliant trumpet player. I like you. I like your playing. I admire what you do. J'aime ce que tu fais. J'aime comment tu joues. Eh ben, le gars, il y va, hein. Il va dans le sens du poil. Qu'est-ce qui se passe, Frédéric? Je veux pas rentrer tout seul. So, let's go from beginning. Donc on reprend du début encore une fois. Allez. Why not to take a little bit more time? Vas-y, tu remets en arrière ou... Non, ça va. Pourquoi ne pas prendre un tout petit peu plus de temps sur... Sur... Yeah, so you speed it up again.
Ba-di-di-di is slow. Ya-da-da-da-da. Ya-da-da-dim. Ba-di-di. Donc voilà, lui il dit dans la descente là, en présentant yadatata, et on réavance un tout petit peu, on remet un peu d'animation dans les doubles. Et on relâche à la fin. Vas-y, je continue. Be consequent. But bravo for the beginning, that is what we want to hear. Exactly. J'ai pas entendu le, ce qu'il a dit avant Be Consequent, mais. Alors remettons un peu en arrière. Yeah, so you speed it up again. Ba-di-di-di, slow. Ya-da-da-da-da. Ya-da-da-dim. Ba-di-di-do-di. So when you go down in the tempo, be consequent. Ah, donc non, en fait, en fait, il lui dit qu'elle avait réaccéléré, elle. Et qu'il faut pas, qu'il faut être régulier, c'est ça. Voilà, si tu vas vers une diminution du tempo, soit soit constante, quoi, c'est soit, ça. Soit constante, voilà, exactement. C'est ce qu'on dit à nos élèves, quoi. C'est que malgré un ralenti ou un accélérando, une noire, c'est quand même la moitié d'une blanche. Donc, il faut quand même qu'il y ait un rapport entre les deux, quoi. Exactement, qu'on comprenne la proportion du rythme. Alan Scorp nous demande sur Facebook, est-ce que c'est seulement le par cœur qui peut permettre de transcender l'esprit de la partition ? Un vaste débat. Oui, moi je sais, je travaille beaucoup par cœur en effet, et ça aide à penser plus des grandes phrases, à faire plus attention au son, etc. Donc peut-être. Après, c'est ce que Clément Saunier disait aussi, c'est que quand tu la joues par cœur, c'est que tu la connais très bien déjà. Exactement. Donc si tu connais très bien la partition. Tu peux déjà au moins essayer de faire quelque chose, quoi. Après, par cœur, faut essayer. Hein. Il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Donc, en tout cas, faut essayer. Ouais. On continue. Beginning, that is what we want to hear. Exactly. Bravo. Donc le début, c'est exactement ce qu'on veut entendre. Elle a une bonne position. Hein. Ouais. Elle bouge pas dans les registres et tout. Tu vois, moi, dans le grave, là. Bravo. Bravo. Very good intonation. Bravo. Très bonne... Justesse. Magnifique. Ça, c'est pas facile, l'intonation. Non, c'est clair. Elle a un joli son en plus. Elle joue facile l'aigu. Hein. Il est content. Mais il est vachement déconcentrant. C'est clair. Elle continue. Hein. Ouais, c'est clair, elle s'arrête pas. Let's do once again. On corrige le pain tout de suite. On ne laisse pas passer. But we have three. Voilà, il dit fais gaffe, il y en a trois des notes aiguës à atteindre parce que toi t'as pensé papam, et c'est fini. Mais non, c'est papam. Ouais, exactement. La dernière, c'est le piège. Jean-Michel m'a envoyé la pochette de Wynton Marsalis de Henri Tomasi. C'est avec l'Orchestre Philharmonique. De Esa, non, mais je suis con ça. Esa Pekka Salonen, c'est le directeur. alors, il n'y a pas de titre, c'est le Philharmonia Orchestra. Et c'est de qui, c'est de quelle ville alors? De la ville de Philharmonie. Salut Boudu. Non, je te jure, il n'y a pas de nom. Et salut Boudu, comment vas-tu? Il faudra qu'on enquête. Mais en tout cas, c'est un beau CD parce qu'il y a Tomasi et Jolivet. Deux gros concertos, quoi. Eh, donc les deux grands concertos français. Ouais. Ce sera dans une recommandation sur Trompette Actu. Allez télécharger Trompette Actu, n'oubliez pas. En tout cas, il est fort, Raymond Friedrich. Là, il a des temps, il rigole et tout. Donc, il la met à l'aise. Hein. Ah, okay. Voilà, une bonne stratégie pédagogique. Et puis beaucoup de positifs. Hein. Bravo, c'est ouais. Bien, c'est beau. On s'accorde aussi à dire le plus, ça c'est important. But what did you play before that was so beautiful? Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'as fait avant? C'était tellement beau.
Oh là 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 là, ça je traduis pas parce que vous avez compris. Voilà. Vous voyez, il a fait rien en allemand. Ouais, c'est ça. It's so beautiful and also still not only a fat slur or like a boo, yeah. You still articulate in this slur and you have colors in between. Wow. Donc il dit c'est très beau parce que dans tes liaisons tu fais pas des liaisons toutes plates mais même à l'intérieur des liaisons tu mets des articulations et entre les notes quoi. Donc, c'est... Wow. Alors Boudu il nous dit ça va, ça crée latence ce soir avec le direct. Bah ouais, visiblement, peut-être que Twitch a du retard. Moi, ça a l'air d'aller, hein, écoute, il me dit pas. Moi, j'ai une minute de retard sur la réalité. Ah ouais, carrément. Une minute. Ah, oui, oui. Ah bah ouais, tu vois, il me disait Twitch qui avait... Ah bah non, il est repassé à 6 secondes, quoi. Là, j'en suis à... Oh là 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 là, c'est-à-dire. Non, c'est vrai ouais. C'est dingue, ça. Alors que de mon côté, tout va bien. Mon ordi, il y a 10% d'utilisation, donc tu vois, il est même pas en galère. C'est Internet, en fait, le temps entre le chat et... Ouais, peut-être que c'est Twitch qui galère aussi, des fois. Alors, du coup, il m'a envoyé la pochette intérieure, mais il est toujours pas marqué, hein, Jean-Michel. Il est toujours marqué Philharmonia Orchestra, dirigé par Isa-Pekka Salonen. Donc, on n'a pas plus d'infos. Salut, Lily Penel. C'est funny, ici, hein. J'espère que t'adores la trompette. Ouais, oh là, alors... là là là, ça va être un nouvel emote, ça. Voilà. Oh là 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 là. Il faudra mettre la tête de Friedrich. C'est ça. Il faudrait qu'on fasse des emotes d'ailleurs de trompettiste. On enchaîne du coup. Oui, je sais pas faire ça, faudrait que tu fasses ça. Ah, alors allons-y. Very, very fine. Last three chords before the number two. Vous utilisez quoi comme setup, Boudu? Mais là, c'est mon ordi 32 Go de RAM, carte graphique 4 Go. Franchement, a priori, je crois que c'est et pas pareil, mon ordi 32 Go de RAM, et, enfin, j'en sais rien, je dis au pif, mais mon ordi super bien que Fabien m'a aidé à choisir. Non, et ouais. On est en Discord sur vidéo, donc je sais pas si nos vidéos elles lag. Après, peut-être que Discord il fait un peu galérer, mais c'est fluide sur mon ordi. Hein. Ouais. Alors, du coup, hop, on enchaîne, elle va rejouer. Dommage, là, elle en a mis un peu plus quand même. Ouais. Elle en a mis un petit peu plus. Attends, je vais essayer de caler ça au-dessus. Bah, à la fin, elle a lâché le truc, c'est dommage. J'ai mis les stats. Je veux dire, pour co-streamer, c'est peut-être ça qui rajoute. Ah oui, bah, c'est pour ça, Boudu, que je stream plus là sur ma chaîne, parce que ça faisait pas ouais, tout. En fait, on stream plus là. On est plus que sur une chaîne. On a la chaîne de Fabien, et on a le Discord pour ma vidéo et la vidéo de la trompettiste. C'est juste la retransmission de Twitch qui met du temps. Je pense que c'est ça. Parce que d'habitude, on n'a pas tant de décalage. Peut-être que Twitch a un peu de mal ce soir. Ou alors Restream, hein, parce que moi j'utilise Restream pour passer sur Twitch et sur Facebook. Peut-être que c'est Restream des fois. Hein. Parce que je sais qu'une fois, j'arrivais même plus à m'identifier sur leur site. Peut-être que eux, ils galèrent un peu. Enfin bref, du coup, vous êtes nombreux à nous regarder. Ça fait plaisir, on continue. Là, il lui a dit piano ou forte, je sais pas, il lui a corrigé une nuance encore. Hein. Je sais pas, il lui dit un truc là, mais... Oh, jolie nuance, hein. Oh, c'est clean, j'ai trouvé de l'essence. Ah, c'est clair. Thank you.
Good, good. I think that is a nice place to. At the very end, please stay a little bit more in tempo where it's written rubato and do the rubato one bar later. Voilà, il dit c'est une bonne place pour s'arrêter. Il dit juste à la toute fin, attends encore un tout petit peu avant de faire le rubato et ensuite tu. Le plus tard possible, le rubato. Bon, et Boudu nous dit que c'est sûrement restream. Ouais, c'est sûr, certainement restream. Voilà. It's you announce it too much that you will do voilà, elle, elle le prépare un peu tôt. Je crois que c'est Eric Obie aussi qui fait un gros ralenti là. Ah ouais, c'est hyper ralenti ça. Et il dit tu les guides un peu trop, soit un peu plus délicate quoi sur ce. Ça a l'air un peu plus naturel quoi. Que ce soit un peu plus régulier. Already you do it. So first not and then do it. I'm not sure if I like your idea with this extreme piano. Je suis pas sûr d'aimer ton idée d'un extrême piano un peu éco-baroque là qu'elle fait sur les impulsions. Ouais. Yeah. Attends. C'est bon, t'étais figé, maintenant c'est bon. C'est parce que des fois, je rabaisse Discord, mais du coup, ça ne marche pas. Et donc, oui, c'est vrai que ça m'avait un peu choqué aussi. Enfin, c'était vraiment une grosse différence, quoi. Entre les deux. Pas la papa, toi. Je me rappelais même plus qu'il y avait une grosse différence de nuance. Ça montre qu'au niveau de ces élèves-là, etc., c'est beaucoup un travail d'interprétation, en fait, qu'il fait là, pour cette masterclass. Bien sûr, la ouais. fille, elle s'est déjà joué de la trompette très, très bien. Et elle s'est déjà joué Thomasy, en fait. Il va juste lui donner 2-3 petits tips à corriger quoi. I think it's a little bit too radical. Because the orchestra doesn't have it. Radical. And the orchestra. Parce qu'il dit parce que because et j'ai pas entendu. First not and then do it. Okay. Donc là. I'm not sure if I like your idea with this extreme piano. I think it's a little bit too radical. Because the orchestra doesn't have it, and the orchestra will kill you. Bouf, bouf, bouf. Ah, bouf. L'orchestre. Ah oui, il dit l'orchestre à ce moment-là, il va t'étouffer quoi si tu joues comme ça. Ah d'accord, ok. Là, c'est marrant. Il y a un énorme accent allemand qui revient et on a même l'impression qu'il parle un peu allemand à un moment quoi. Je croyais qu'il parlait d'huître quoi. Je croyais qu'il disait the oyster. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est le son quoi. Les huîtres au vin blanc. Qu'est-ce qui se passe? L'orchestre. Ouais. Non mais j'ai même cru qu'il parlait allemand pendant 2 minutes quoi. Arzo, ya, Schnell, quoi? Piu, pouf, pouf, it's a very a lot of percussion and then you will not hurt, you will not be hurt. So. Voilà, donc il y a beaucoup de percussions donc tu vas pas être, on va pas t'entendre si tu joues si piano dans ce passage. If you do a little nuance, tiadagram, to confirm the certain time. Voilà, progression. Voilà, il dit c'est une progression pour confirmer la troisième fois. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je sais plus dans l'original, mais ce sera l'occasion de le regarder en stream, s'il y a vraiment cette nuance de piano, de nuance écrite. Enfin, ce changement de nuance. Non, il y a pas de mémoire, c'est trois fois l'accent avec rien. Mais l'édition Le Duc, elle est pleine d'erreurs. De toute façon. C'est vrai. Entre la partie piano et la partie trompette, il y a des. Justement, dans la partie piano, dans la partie trompette sur la partition de piano, dans ce passage-là, il y a écrit détaché en toutes lettres et il y a écrit ta 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 ta. Ah ouais. Et les personnes jouent ça comme ça, tu vois. Non. Mais une fois, je l'ai regardé et ça m'a choqué. Et c'est même écrit détaché, il y a des points sur toutes les notes. Déjà, c'est trop dur, donc personne fait ta 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 ta. Bah, c'est ça. Mais donc, il y a plein d'incohérences entre. Alors là, c'est intéressant, apparemment, ils ont retrouvé un manuscrit, donc peut-être. Ah oui, c'est vrai, la version de Fabien. Voilà, donc peut-être qu'on va enfin savoir le fin mot de l'histoire sur ce que Thomasy a voulu écrire. Bah t'as écouté du coup la version Hardenberger qu'il a jouée du coup. Mais toujours pas. Ah, parce qu'il faut que t'écoutes cette pièce rajoutée. Ah, c'est juste dans le troisième mouvement hein, qu'il y a un truc en plus, qui rallonge. D'accord. Il doit y avoir un ou deux systèmes en plus, c'est pas très très long. D'accord. Donc voilà, mais la version est pas exceptionnelle. Hein. Enfin, tu verras, il met des brins partout, Hardenberger. Mais du coup, j'en parlais avec Pauline qui était là pendant la journée où il a répété. Ça a été des conditions horribles. Il a été enfermé dans sa chambre parce que Covid et tout, donc pas à sortir de l'hôtel. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué.
Alors, elle fait trop rire la pianiste qui hoche la tête. Mais oui, elle est d'accord avec Friedrich. Oui. Arzo, ya. Ah, Romain a vérifié, elle n'y est pas la nuance. Voilà. Ouais, bah voilà. Merci. Tu es notre régie, c'est l'assistant ça, enfin, caméra. Je l'ai là derrière la partition, hein, je pourrais la prendre. Mais... Moi, j'ouvre rien parce qu'après, je me dis, je vais encore faire non, la. Non, mais je l'ai en papier, en vrai. Ah, ça, c'est beau, ça. Achetez des partitions. Hein. On enchaîne. Mais oui. Du coup. To confirm the next, yeah, you say yes, but okay, now yeah, I confirm it. That is a different thing. But you did a reel for the piano, and that is not working. And then voilà, donc il lui dit okay, tu peux dire oui, mais et je confirme sur les trois phrases. Donc il dit c'est une chose, mais c'est pas vraiment faire un forte et un piano parce que ça c'est. Ça marche pas, il dit de toute façon. Selon lui, ouais. 8, take care that you fill out all notes with good air, especially. Donc sur le passage, je pense que c'est sur. Il dit fais attention à bien sentir que tu sens toutes les notes avec ton air, quoi. Donc ça, il parle beaucoup d'air aussi, on peut remarquer, hein, de projection. De... On regrette qu'il prenne pas sa trompette pour montrer un peu plus l'exemple. Ah, c'est posé ouais. Sur le piano. Cet allemand de qualité, mais c'est de l'anglais, Lily. Il faut vraiment que t'ailles réviser, toi. Punaise. En revanche, on a une bonne question d'Alain sur Facebook qui nous demande « La langue d'origine, comme le japonais assez cassant ou l'italien assez coulé, influence-t-elle malgré nous l'interprétation ?» Sûrement. Bah, c'est Marc Guevon qui en parlait chez toi. Tout à fait. Avec le français, ça influence même la position de la langue et tout, et c'est sûr que ça influence ce qu'on entend comme sonorité depuis qu'on est bébé, donc inconsciemment, je pense que ça doit déteindre un peu. Et ça, et sur la façon de jouer, en fait, comme on prononce pas les T de la même façon, par exemple, enfin, il y a tout cette. Et je sais que moi j'avais travaillé avec Russell Gray, qui est un cornettiste écossais, il était venu diriger le brass band, et en fait, lui, le détaché, il le voit pas du tout de la même façon que nous, hein. Comme ils font beaucoup de ça, des trucs comme ça avec leur langue. Nous, quand on fait le te, très français, il aime pas ça. Il arrive pas de façon à faire ça. Il dit jamais te, les Anglais, tu vois. C'était assez rigolo. Bah ouais, c'est ça. Et c'était rigolo. Et on avait travaillé aussi avec Frank Renton, qui dirige le Grimthor Colliery Band. C'est celui qui joue dans le film Les Virtuoses. Et ce mec, il a expliqué que lui, même les indications comme le point, que nous, on appelait staccato et sec, lui, il appelait pas sa staccato sec, c'était la définition de la touche. Il disait quand il y a un point, c'est qu'on doit entendre le T. Et quand il n'y a pas de point, on ne doit pas entendre le T. Et donc, il disait, c'est pas une question de longueur de note, vous jouez une noire, c'est une noire. Juste, on doit entendre le te, on ne doit pas l'entendre. Alors qu'à contrario, tu vois quelqu'un comme Antoine Curé, il disait le T au début de la note, c'est toujours le même. Et simplement, tu joues court ou long en fonction du signe qu'il a écrit. Bah ouais, et ça, du coup, je pense que c'est culturel. Ça revient aussi à la façon dont on parle et dont on joue. Alors écoutons la suite. These big little beginnings. Bravo before. And one little warning. My un petit avertissement. Full. Be careful, ouais. Faire attention. In the third bar after five is no mesure après 5. Il y a pas de crescendo décrescendo. Tagram pam pam pim padi. Yeah, can get elle est d'accord, la pianiste. When you do then the effect for the next bar is already. Ah voilà, donc si tu fais déjà le... J'adore le. Ouais, si tu fais déjà bien le cochon. Si tu fais déjà le. Yabada papa pam. Yabada. Ça fait un peu double effet, et donc l'effet qui arrive après, qui y a ce soufflet sur. Yabada. La partition, mais avant il n'y a rien, donc il dit en gros fais pas déjà ce souffler sur ce qu'il prépare, donc il dit voilà, sinon tu gâches quoi. Voilà, sinon on gâche l'effet de surprise. La surprise, it's gone, yeah, it's you, it's in your digestion, yeah. Okay, c'est parti, c'est dans ta digestion. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que j'ai laissé la vidéo? Si tu bouffes cet effet, bah il est parti, c'est dans ta digestion. Oh, c'est dégueulasse. This like a flower opens and shows his beauty. C'est comme une fleur qui s'ouvre et qui montre ses beaux pétales. Mec, il fait de la poésie comme c'est beau. Oui. Merci Reinhold. Reinhold. Cœur sur toi, Reinhold. Yeah.
I think the resist in the first bar play then it's more interesting, yeah. Là, il dit si tu insistes là-dessus, à ce moment-là, là où c'est vraiment écrit, bah, c'est plus intéressant. Et t'as vu Prostaglandouille, il dit j'ai déjà entendu que les Américains avaient une morphologie du palais différente de nous, de par leur façon de parler, que ça avait une influence sur le son. C'est aussi possible, tout à fait. Je pense que tout joue, vu que tout résonne aussi dans la bouche. C'est intéressant. Good. This little detail, we don't need to repeat that. You can do that by your own, yeah. Before. Il n'y a pas besoin de le refaire. Tu vas y arriver toute seule. Tu vas le faire à la maison, ça ira bien. T'es une grande fille, quoi. C'est ça. Beautiful, beautiful. And what I like very much in your Tomasi. Ce que j'aime beaucoup dans ton Tomasi. Ah là, on met du suspense. Hein. Qu'est-ce qu'il aime beaucoup là? Oh. It's non-militant. It's no military. A lot of times. C'est pas militant, c'est pas militaire. Mm-hmm. Je pense qu'il voulait dire militaire la première fois. C'est ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais on comprend du coup ce qu'il veut dire. C'est pas de la trompette. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Exactement. Mm-hmm. Somewhere in the world, and I hear this piece, and then they start into. And I think the Soviet Fifth Army is coming in. Il dit j'ai entendu ça partout dans le monde, et à chaque fois que j'entends ce passage-là, j'ai l'impression que la 5e armée soviétique est en train de débarquer. Room. Yeah? And you play with. You give us an offer. Alors Tatiana nous dit j'aimerais trop l'entendre jouer de la trompette car on a tellement l'impression qu'il manque d'air quand il parle. Ouais mais je pense que c'est sa position qui fait là aussi. Il est toujours en train de se pencher comme ça doit être fatigant pour lui en fait. Par contre Maridor nous parle du nom des notes qui influencerait oui, aussi par oui, exemple la façon de jouer. Rémi, ça c'est Marc Guejon qui disait ça aussi, ouais. Il expliquait que nous on disait to teti ta to ta ti to et du coup toutes les notes elles sont inégales. Ouais. Ça c'est vrai et vous avez vu le magnifique merci au traducteur mais François tu as les remerciements de ma nièce. Wow. Voilà, cœur sur toi Lily Penel. Ah, c'est ta nièce. Ouais, c'est ma nièce. Adorable petite nièce qui se moque de moi puisque j'écoute du Ariana Grande. Eh ouais, tu peux pas tester. Donc du coup, j'allais dire autre chose. Ouais, sur le nom des notes, vous avez vu ce poisson d'avril qu'ils ont sorti là? Ils ont fait un truc en disant en Europe, on va arrêter do ré mi fa sol la si do et on va mettre A B C D. Et les gus, ils ont fait do A ré B, même pas les A B C D. Non. Et tu dis quoi? Mais c'est encore pire. L'enfer. Ah ouais, l'enfer quoi. Non. Ah c'est grandiose. Alors continuons. You look on beautiful rice fields in your home country, yeah? Beautiful, beautiful. Et le public, là, c'est beau comme des beaux champs de riz dans ton pays natal. Et ça se trouve, elle est née, elle est peut-être née en Allemagne ou en France ou n'importe où. C'est quoi ce racisme là, oh? Ça, sincèrement. Sacré Friedrich. Non-militant, that is the word. Ok. Pas militant. Erico. Ouais, et Romain dit il n'est pas essoufflé quand il joue. Non, c'est vrai, il n'est pas essoufflé quand il joue, Friedrich. Or is playing perhaps two bars before seven, is that okay? Yep. Two bars before seven. And then only a little color. Seulement un tout petit peu de couleur. Play the same thing, but in a more relaxed place. Il joue la même chose, mais dans un endroit un peu plus détendu, quoi. And then you confirm and says yes, it's really like. Oui, c'est vraiment comme ça. That, yeah. So. C'est rigolo le chat qui a 1 minute 30 de retard sur nous du coup. Ah, elle refait son piano quand même. Ouais. Still too much. Voilà. C'est trop. Erico, elle est d'accord. Et puis je pense qu'elle l'a. On voit qu'elle rejoue par habitude là. Oui, elle l'a intégré, sa manière de faire ce passage. Ouais. Elle le refait de la même façon, ça c'est compliqué. On va écouter ce qu'il dit. C'est marrant comme quoi, en fait, évidemment, elle joue très bien, elle réagit à ce qu'il propose, mais en fait, quand on a tellement travaillé un truc, parfois c'est dur, même si elle a compris, je suis sûr, ce qu'elle veut lui dire et tout, mais
Du coup, c'est l'habitude qui ressort, quoi, parce que toutes les heures de travail, de faire de la même manière, etc. Et parfois, ça prend 2-3 coups avant de réussir à changer. Ça, je ne jetterai pas la pierre, parce que je trouve ça très difficile quand tu as bossé pendant une semaine et de changer. Moi, j'ai connu une trompettiste en France qui était redoutable là-dessus, c'est Marion Vezzozzi, qui joue à Nice maintenant. Marion, quand elle était au CNSM, Garek lui disait un truc, elle le faisait direct. Hein. C'était un robot de compréhension. Et ça, ça m'a toujours impressionné. C'est que, du coup, elle gagne un temps fou parce qu'elle n'est pas dans ses habitudes. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est une grande qualité de musicien de pouvoir être flexible comme ça très vite. Et du coup, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit maintenant trompette solo à Nice, hein, évidemment. C'est ça. Quelqu'un qui comprend tout, ça aide. Then we have different. Still too much. Voilà, il va still lui dire encore. The orchestra is bam bam bing bam 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 bam, and they play like that. I played it a lot of times with orchestra. Hey, les gars, il est 22h ici aussi. Hein, calmez-vous. Hein. Oui, en fait, le chat, il est en temps réel. C'est la vidéo qui pour vous n'est pas en temps réel. Voilà, c'est tout. Mais le chat, on peut se parler. Ouais. Mais le chat est dans le présent et la vidéo est dans le passé. Voilà. Franchement, ouais, voilà, je sais pas, il faudrait que je mette l'heure sur la vidéo, ce serait plus rigolo pour que vous l'ayez. Les réflexes, les habitudes, c'est vrai, Maridor, tout à fait. Et t'as vu, c'est rigolo, hein, la pianiste, elle écoute vraiment Friedrich. Hein. Là, il veut exprimer son exemple avec l'orchestre qui joue fort, elle le joue derrière pour montrer et tout. Ouais. C'est très bien travaillé, ça. They do. Of course, you could ask, can you do an echo? But then it's... Jam, pam, 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 pam. Il peut demander à l'orchestre de le faire, mais bon, il n'est pas convaincu. Non, il a l'air de dire c'est de la merde, mais ils vont le faire si tu leur demandes. La pianiste aussi, elle n'est pas convaincue. Ça. Donc il y a des idées, c'est des mauvaises idées, faut les oublier tout de suite, voilà. Effect, no. Play the same. perhaps tout pareil. Because of your remembering, there's a little nuance by it. Play the same. C'est rigolo, hein. Un peu, mais... Ah ouais, elle l'a vraiment ancré en elle. Hein. Ouais, parce qu'il lui dit, joue pareil. Et moi, c'est vrai que quand j'ai bossé ce truc-là et je le jouais, je pensais vraiment trois coups, quoi. Ta-da-ta-ta-ta, ta-da-ta-ta-ta, ta-da-ta-ta. Et moi, je voyais même trois coups crescendo, quoi. Tu vois, pa-da-ta-ta-ta, ta-da-ta-ta-ta, ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est un truc qui est engageant, t'as la sourdine, c'est dans l'aigu et tout, donc tu penses pas... Tu le répètes, quoi. C'est très dur ce qu'elle fait, d'ailleurs, de faire une espèce de diminuendo au milieu. Pour Staganzu, il y a vrai, les habitudes de changer, en plus de la difficulté du morceau, c'est la double peine, c'est clair. Ah, c'est pas la femme de Friedrich, la pianiste. Bah, je me suis demandé, parce que je trouve qu'ils ont une bonne complicité, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si Friedrich a une femme. En revanche, Lily Penel nous dit qu'il y a des pubs. Non, non, normalement, il n'y a pas de pub. Et t'as qu'à prendre le Prime, l'abonnement Prime de ta mère et puis le mettre sur ton truc. Comme ça, t'auras plus de pub. Parce que je sais très bien que ta mère, elle est abonnée Prime, donc viens pas faire ta radine, là. Et donne ton Prime à tonton, là. Eh, hey, tonton, il attend ton Prime, là. Alors, écoute, Romain, si tu sais nous trouver cette info, si c'est la femme de Friedrich ou pas. Comment elle s'appelle, François ? Eriko Takezame. Eriko Takezame. Voilà, n'hésitez pas à chercher. Ah ! Le Macané demande à Tatiana, j'ai pas pu rester, comment a tourné cet énorme cookie à la poêle ? C'est un fail, apparemment. Et t'es allé voir du coup ? Non, mais Tatiana m'a dit que c'était un fail. Ah, mais c'était un poisson d'avril, quoi. Moi, j'ai pas vu non plus. C'était des réunions, donc j'ai rien fait aujourd'hui. Alors, on continue. Continue.
Elle assure au piano, n'empêche. Mais elle vient, c'est vachement bien. Bravo, bravo, okay. And sing already the first note. It's bien chanté. Chante déjà la première note. Bien chanté. Oh, le mec, ça, il claque du français comme ça, quoi. C'est pas ça. Quoi. Et c'est intéressant, hein, ce qu'il faisait, oui, il faisait les poum, 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 etc. Ouais, ça donnait une belle tension. Qu'on fait ça, mais en fait, le risque, souvent, pour les élèves, quand on travaille des concertos, c'est que ils regardent la partition de piano, mais ils regardent pas la partition d'orchestre, ou ils écoutent pas ce que fait l'orchestre. C'est un vrai. Piano, ils se disent c'est un peu tout pareil, mais c'est pas pareil si t'as les timbales, si t'as tous les cuivres qui jouent, c'est que les cordes ici, etc. Et c'est ça aide là ce qu'il fait aussi de d'essayer d'imaginer cette ambiance d'orchestre. Et je sais pas pour toi Fabien, s'il y a des concertos que t'as joué avec piano et avec orchestre, tu vois la différence que ça fait. Quoi, on parle de Tomasi, mais Tomasi, c'est un bel exemple avec toutes les percussions qui manquent. Mais même dans Jolivet, le concertino de Jolivet, ça n'a rien à voir. Le piano, il est incapable de faire l'ambiance de l'orchestre. Oui. Il y avait un concerto super intéressant d'un mec qui est mort il n'y a pas très longtemps, Zbinden, je ne sais pas si tu connais, qui est justement écrit pour piano et caisse claire. Et ça change tout. Et je l'ai joué à la Tourcoing pour mon prix de trompette. Et c'était vraiment intéressant. C'est assez difficile, mais ça donne cette dimension qu'il n'y a pas dans le piano. Et ça permet quand même d'avoir un peu plus de dimension rythmique. La trompettiste est française, je ne crois pas, non. Je pense qu'elle est japonaise et qu'elle étudie en Espagne, donc apparemment. Ouais. Ça va la trade français. Eh, hey, là-dessus, Tatiana. Bien chanté. Beau gosse, hein. Laisse tomber, quoi. T'inquiète, quand je peux prendre un point, je prends un point, moi. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, non, après ils parlent de leur cookie de merde. Ma nièce, elle veut pas lâcher sa thune. Ok, allez vous abonner à la chaîne de Tatiana. On n'y mange pas bien parce qu'on n'y mange pas, mais on pourrait cuisiner du coup. En regardant. On enchaîne du coup. Oui. Ah, attends, c'est ça que je voulais dire aussi. J'ai eu un message de Jean-Michel Rouleau qui nous dit que l'orchestre Philharmonia du CND de Winton Marsalis, c'est un orchestre de Londres en fait. Voilà. Et ça s'appelle Orchestre Philharmonia, mais c'est basé à Londres. D'accord. Donc voilà, c'est un orchestre anglais. Make a test. Da, da, okay. Test. Okay, it works. No. Body. Oui, il utilise pas la note comme une note d'essai, genre je goûte, ok, c'est bon. Il dit qu'il faut chanter toutes ses premières notes. Dans la mélodie tout de suite. Tout à fait. Et pour tacler Tatiana, il dit sing your first note. Chante ta première note. Tu vois, haha. Ouais. Le Macanet demande s'il y a un répertoire écrit pour trompette et piano. Justement, j'allais répondre dans le chat. Évidemment, évidemment. In the Meat, Martinou. In the Meat, c'est magnifique. Et d'ailleurs, la partie de piano est vraiment très très belle. Il s'explose les avant-bras toujours. Ouais, mais c'est tellement beau ça. À jouer en entier, c'est magnifique. Et après, il y a beaucoup de sonates, hein. Hubo aussi. Enfin, c'est toutes des choses qui sont prévues pour le piano. Cordialement. Sarah Bandé-Finale. Ouais, tout à fait. Gallo-Mombrin, c'est tellement beau, Gallo-Mombrin. Et puis les bozza, etc. Tous les bozza sont écrits au piano, c'est très très beau. Super concerto. Du coup, ça me donne envie de découvrir, ouais. Eh ben, je pense qu'il est dans mon drive, hein, si tu regardes. Je vais aller fouiller. Et sinon, je l'ai en papier, je ne l'ai pas scanné encore, s'il n'est pas dedans, mais je pourrais le scanner. C'est bien, ça me fait les sujets de mes prochains streams, comme ça. Grâce. Voilà, tu vois. Tomasi, Zbinden. Voilà. Et Zbinden, ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir ce côté percussion. Avec Monsieur Monge, alors. Ah bah, tu vois, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Allons-y, on continue. Sing the first note and Et donc, j'en profite pour Mister Sopman, c'est-à-dire Romain ou tous les gens qui nous ont rejoints sur Twitch ce soir. Twitch, c'est vraiment adapté au live. N'hésitez pas en fait à cliquer sur le cœur des chaînes. C'est-à-dire quand vous allez sur ma chaîne ou sur la chaîne de François ou Tatiana, ces gens-là qui streament, si vous cliquez sur le cœur, vous aurez une notification sur Twitch. Quand on lance un live, ça permet de venir regarder la vidéo. Et c'est vrai que Twitch est vraiment bien fait, même sur téléphone maintenant. La vidéo, elle se met en petite miniature et tout, on peut continuer à écouter et tout. C'est vraiment très très bien fait. Et c'est beaucoup plus adapté que Facebook parce qu'il n'y a pas toutes les notifications autour qu'on a dans Facebook et tout, la publicité, etc. C'est assez intéressant. Sauf pour ta nièce qui a de la pub parce qu'elle s'est pas abonnée. Ouais, bah ouais, c'est honteux. Alors qu'elle a un prime, hein, c'est doublement honteux. You make it very hard for me to criticize you. Tu me rends la tâche très difficile de te dire des critiques parce que tu joues trop bien. Qu'est-ce qu'il est gentil.
you should be a pupil, a student, and you should play bad that I can. Tu devrais être un élève et tu devrais mal jouer pour que je puisse te donner des conseils et que tu joues mieux. Ouais, il doit être un peu deg en se disant mais qu'est-ce que tu veux que je dise là ? Je veux parler du c'est piano, ça. De la troisième mesure. Il veut dire qu'il y a un accent sur la cinquième note. But you are already. Mais bon, c'est intéressant. On n'est pas si vieux, n'est-ce pas ? Ben, Monsieur Monge n'est pas mort, donc ça veut dire qu'on n'est pas si vieux. Be good. Give me a chance. Play here and here, wrong note that I can sing. G-sharp. Bon, allez, donne-moi une chance. Rate une ou deux notes pour que je te dise do dièse. Non, c'était drôle. Ça, c'est génial. On a fait la moitié de la masterclass en plus. You have it in your hand. You can handle it. Tu maîtrises la pièce, tu l'as dans les doigts, tu peux bouger, c'est super. Ah, regarde le message de Le Macané, c'est exceptionnel. Hindemith, Paul Hindemith, compositeur suisse. Oh non, c'est la honte. Il a même écrit un truc pour basson et trompette. Tu connais ça, de Hindemith? Il y a un concerto pour basson trompette. C'est intéressant. Si, moi j'avais un copain bassoniste et il m'a dit, écoute, il y a une sonate. Je te crois, mais je connais pas. Il y a une sonate Hindemith pour basson et trompette, alors c'est intéressant. Je connais une sonate pour alto, mais... Le mode audio seulement marche bien sur Twitch. Ouais, c'est vrai, mais là... Bon, là, c'est vrai que c'est un peu podcast, hein. Vous pourriez, même sans regarder la vidéo, écouter, en fait. Moi, je fais souvent Twitch dans ma voiture et j'écoute sans regarder, en fait. Ah bah, j'espère, pour pas... Bon, ah, évidemment. Et je passe plus de temps sur Twitch que sur YouTube ou sur Facebook à écouter. Mais je trouve que moi, le live... Aussi, Et du coup, d'avoir le live, d'avoir les gens qui sont là en même temps, en direct, tu peux interagir, c'est vraiment plus intéressant, ouais. Quoi. Ça donne une dimension, une connexion, un lien social presque. Même si c'est du virtuel, ça permet connecting de garder un people. Lien. Exactement. Donc, venez sur Twitch, venez. N'ayez pas peur. Mettez les petits cœurs sur nos chaînes. Voilà. Il y en a plein. On va refaire... Hey, c'est l'instant pub, François. C'est l'instant pub, on va faire la pub de toutes les chaînes. Donc, François qui traduit à une chaîne, allez voir, allez cliquer sur sa chaîne. Il y a aussi Louis... Voilà, Louis qui fait du cor, Loulou le corniste, Tubarama, avec qui on s'amuse beaucoup, hein, Vincent Ollier qui fait du tuba. Ah ouais. Franchement, qui est-ce qu'il y a d'autre? Boudu, c'est vrai que Boudu était là ce soir, il fait du piano. Il fait du piano, il fait très bien du piano. Loin du ciel. Loin du ciel, mais j'ai pas de commande là, hein, donc il va falloir taper... J'ai pas encore la commande de Loin du ciel. Est-ce que tu as son adresse? Sinon j'ai mis @ loin du ciel quoi. Loin du ciel d'ailleurs, qui sera en concert à l'Audito le 17 avril. Mais comment c'est possible? Toute la France est confinée, comment tu peux faire ça? Mais non, parce que t'as le droit de travailler en fait. Et du coup, comme nous on l'engage, parce que c'est un contrat, donc il a un contrat d'engagement, etc. Et ben il a le droit de se déplacer avec un contrat, parce que c'est une raison professionnelle. Parce que les tournages, les enregistrements et les répétitions professionnelles sont encore autorisés. Et ben bravo pour ce que tu fais. Et ben franchement, ouais, et c'est super. Moi j'ai un concert d'ailleurs, allez voir Nala TV aussi. Et moi j'ai un concert ce samedi, voilà, à 18h. Donc n'hésitez pas. Ouais, c'est Radio Trompette, voilà, on s'alterne avec François. Exactement. On n'est pas beaucoup trompettistes hein, sur Twitch, on va pas se mentir. C'est pas majoritaire hein, quand même. On est trois, je crois. Il y a le trompettiste du Good Bon Piano Orchestra. Quatre. Il y a le Robert Garrison aussi. Mais il fait pas souvent. Mais il a fait quelques lives de trait d'orchestre. Je l'ai pas vu encore. D'accord. Mais après, ouais, c'est un peu plus anarchique. Disons qu'on est un peu plus régulier. Oh, et Marie d'Or qui sub Elisabeth. Mais ces alertes de follow là. Mais elle y est, hein. Elle y est. Il y a juste pas. J'ai juste pas routé le. Il faudrait que je le chante. Où est-ce qu'elles sont les alertes? Ben elles sont là. Hein. Hop, voilà. Désolé. Donc voilà. Merci. Boudu, il dead ça. Il tue. Ouais, Boudu, il tue, franchement. Alors, en piano, c'est vrai qu'il claque. Et attends, Lily Penel, va voir Loin merci du ciel. Merci Marie d'Or, du coup. Hein. Merci beaucoup, Marie d'Or. Et Loin du ciel, c'est du piano aussi, Lily. Va voir, c'est génial. En piano, il y a aussi Olga Scheps. Tu connais Olga? C'est une pianiste allemande. Ouais, je la follow, je crois. Ah, c'est une tueuse, elle. C'est... Au piano, c'est magnifique. Mais elle a 50 000 follow, quoi. C'est une Lucienne. Une Lucienne du piano, quoi. Enfin, 50 000 follow sur Instagram. Une Lucienne du piano. Ah ouais, Lucienne, elle a 40 000 follow sur Facebook. Peut-être un jour, elle viendra sur Twitch, hein, Lucienne. ou sur OnlyFans. Au choix. Ça, écoute. Je ne vais pas commenter. Bon, nous on n'a pas trop le choix. Alors, on enchaîne du coup, c'est parti.
You could play in the after. Kannst du es einmal knicken, dass es nicht die ganze Zeit so rumlummelt. Bon, alors là, tu vas lui traduire. Il parle en allemand à, je pense, du coup, sa femme, parce que c'est pour qu'elle comprenne l'allemand. Je pense que c'est sa femme. Ah, l'étudiante, c'est Mio Kaneko. D'accord. Voilà. C'est Jean-Michel qui m'a envoyé. Comme quoi, parce qu'on demande toujours... Il y a souvent ces questions qui reviennent. Est-ce que vous connaissez des jeunes femmes qui jouent bien de la trompette? Ben, voilà encore une. Voilà. Qui joue, une femme qui joue très bien de la trompette. Donc, il y en a. De plus en plus. Alors, il n'y a pas de certitude d'après Romain sur le fait qu'ils soient mariés. Mais en tout cas, ils travaillent ensemble et ils ont enregistré un album Amour à la française. En tout cas, il lui parle tranquillou allemand et tout. Voilà. En tout cas, ils se connaissent, quoi. Voilà. Il y a une complicité, on va dire. Alors, Fabien, t'as fait LV1 allemand, je te laisse nous traduire. Eh ben, il lui a dit, écoute, chérie, ce soir, j'ai envie de manger des pommes de terre. Donc, voilà. Donc, on sait ce qu'il mangera ce soir. Non, j'en sais rien du tout, les gars. LV1, c'était il y a longtemps, maintenant. McGurn, potato... Ouais, c'est ça, exactement. Attends. Qu'est-ce qu'il dit? That's great. You could play in the after. Kannst du es einmal knicken, dass es nicht die ganze Zeit so rumlummelt. Ouais, en gros, il lui dit ouf ta page parce que ça marche pas quoi. Parce que là, il y a Paris schön. J'ai compris mécaniquen, mais après, je sais pas ce qu'il dit. En gros, c'est casse ta page parce que à chaque fois elle se ferme et c'est relou quoi. Donc ça fait bien quoi. Et on les voit en photo plein de fois ensemble en ville. Bah ouais, bah peut-être qu'ils travaillent beaucoup ensemble. Hein. After 13, the fourth bar. You could even do a little bit more. Pam pam pi da di da di da di. Tegadam pam pam. Tegadam pam pi. Pam pam di da di da di da di. So un peu plus de, this is for the next time. Il y a une feuille qui tombe, tu vois. On se reconcentre, les gars. Kartoffel salade et baleine. Voilà. On se reconcentre. Franz Gisle, là je sens qu'il est 22h, ça part en cacahuète. On a parlé du OnlyFans de Lucienne, alors ça va, vous êtes tous excités, calmez-vous tous maintenant. Voilà, ça y est. C'est une légende, hein. c'est un poisson d'avril. Et hein. D'ailleurs, attendez, je sais même pas ce que c'est, comment marchent les sites, mais. Ça va pas vous plaire, son OnlyFans, c'est un truc avec des pieds, vous allez pas aimer ça. Arrêtez. Donc, allez voir. Ah, ça va vous plaire celui-là, vous allez voir. On fait des tests d'embouchure et on fait des unboxings que Philippe Lidza nous a envoyés. Allez voir ça c'est génial. Exceptionnel. L'allemand, c'est grave beau, mais moi j'adore l'allemand, je trouve ça très très mélodique. Ouais. Yeah. You can take out the tempo and find back to the tempo. But... Voilà, donc tu peux lâcher le tempo et retrouver le tempo dans ces ya ta 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 ta. Ya bala pam 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 et après tu repars. Ta pa ta pa ta pa ta pa ta. Non, je déconne, bon, c'est pas très beau. Si, l'allemand c'est très très poétique. C'est très très poétique. Rip le livre, ouais, il s'est un peu énervé là. La partition. We don't need that. I think we play two bars before 16. Je vais me dire en 16, si vous avez la partie. Could we search a little bit more dolce? A little. Est-ce qu'on pourrait trouver un tout petit peu plus dolce? Doux. Je crois un peu plus de vibrato. Tetra et je crois que Tetra Yedek parce qu'il voulait faire son entrée sur le chat en disant Rammstein Liberalus et il dit Rammstein, donc ça a tout cassé. Voilà, c'est tout. Merci, bonsoir et bienvenue Tetra, on enchaîne. C'était un bel essai. Elle a mis un pain exprès pour qu'il puisse dire un truc. Il pas trop vibrato. Il aime pas ça alors. Voilà. Lively sound. Bien chanté. Un son vivant. Bien chanté. Oh, c'est beau quand tu parles français, Loulou. Loulou, c'est dédicace. C'est dédicace. Jetzt auf deinem Hintern.
elle a été faire copier-coller sur DeepL.fr. Eh, ça va, on connaît aussi les astuces, nous, hein. T'inquiète, I speak very good English. Hein. Ok. Voilà, Hertz, c'est le cœur, non? Si. Ça veut dire ton cœur dans le interne, plein de douceur. Ah, et Tetra qui follow. Elle veut son scooter. Vous avez pas, ouais, c'est ça. Vous avez pas les alertes, par contre, il y a pas de son sur les alertes. Ah. Bah tant pis, on s'en tape. Mort. Non, bah c'est pas grave. Bien chanté, quoi. Ouais, bah c'est ce qu'on a dit parce qu'il a dit bien chanté. Toi aussi, Romain, j'ai l'impression que tu gères l'anglais comme nous. Allons-y. Ah, Vincent Fonsen, il dit que dulce, ça veut dire sucré. D'accord. Alors, on va essayer de jouer avec un son sucré. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Dulcinea, c'est ma douceur. Ok, ok. Ben, on va essayer de trouver comment on joue sucré à la trompette, quoi. Ça risque d'être grandiose. Alors, ouais, ça, c'est du sel, hein, plutôt, ça, tu vois. Bon, on va arrêter, justement, d'être salé. Continuons un petit peu. On arrive à 20 minutes, là. Encore une fois. Il veut lui refaire attaquer là. Tu attends un petit peu trop long. Yeah. En fait, elle est un peu en retard pour son attaque. Yes. Ah, ça c'est bien. Oui. Ah, c'est con toujours cette maison. C'est trop d'octaves liées à la tempête. Ah, c'est dur, hein. On lui jettera pas de cailloux. C'est pas tiki-taka-tiki-taka-tiki-taka-tiki-taka. Ah, elle fait la version la version 1. Elle fait la version 1. Donc, attends, mais faut faire ça propre que la deuxième version ratée, quoi. Ah bah moi j'ai jamais fait tiki-taka-tiki-taka-tiki-taka. J'ai jamais fait ça. Moi je la faisais en cours parce qu'on nous forçait à essayer de la faire, mais non. C'est joué façon. Une ou deux fois par accident, mais après dans la. Ouais, je fais toujours. Prostaglando, il a une théorie. Jouer sucré, c'est jouer façon pizza à la nana, la hawaïenne, la fameuse hawaïenne. Ah, Tubarama nous attendait plus. Bah alors Tubarama, comment ça? Il y a eu la notification sur Discord, hein. C'est à cette heure-ci qu'on arrive, alors qu'on a déjà fait 4 fois la pub de Vincent Ollier et Tubarama. C'est beau, c'est beau, et, c'est beau. Et qu'on a eu Reinhold Friedrich en interview et que maintenant on finit la soirée avec la vidéo. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Les huîtres étaient cuites, donc voilà, c'était terminé. Et Rico, il l'attendait. Pour aller enregistrer des balades amoureuses à Paris. Voilà. Ça a démarré quand? Ça a démarré à 21h. Hein. Ça fait 1h25 qu'on est en live. Il découvre, tu vois. On est à la moitié de la vidéo, donc il te reste la moitié. Il se réveille, il vient prendre le petit déj. Ouais. D'ailleurs, on se demandait, parce que les gens découvrent un peu Twitch, il y a beaucoup de nouveaux sur Twitch ce soir, ça fait plaisir. Mais on disait qu'il y avait du tuba. Est-ce que tu fais les lives le vendredi matin à 9h? Donc, comme il y a une minute de décalage, 1 minute 30 de décalage, on va pas attendre ta réponse. On va avancer, puis tu nous diras. Parce que ce soir, c'est assez rigolo. Oui, elle fait le Ossia, comme on dit. One more time, that you allez. Have a better, j'étais là à 20h30, better, mais nous, non. Ma fille, elle s'est endormie à 20h50, donc tu sais. Ça démarre jamais à 20h30, de toute façon. C'est 21h. C'est dommage, c'est pas propre encore. Et on est passé à 668 follow, donc ça fait plaisir. On a dépassé le 666. Merci les gens. Cédric, 67, 520. Ouais. Oui, Tubarama sera là demain à 9h. Donc allez-y les gens. Il dit, peut-être qu'il ne prendra pas, mais de prendre ton élan et chose qui descend, quoi. Donc du coup, Tubarama, demain, Maggio, 9h. Hein. N'hésitez pas les gens, c'est sur Tubarama Twitch. Hein. Et après, 10h30, Tomasi avec la boîte à pain. Voilà. Parce que reprise de Tomasi après des années, là, ça va être beau. 13h30, on fait du Arban, des études Robin Leleu
enfin Jean-Baptiste Robin, Romain Leleu et Caffarelli. Et 20h30, c'est le vieux. C'est le vieux. Ah, l'ancien. C'est Gradus ad Parnassum. Hein ? On va aller. Je sais pas c'est quoi le sujet de la vidéo demain. Voilà. Donc en fait, ce que veut dire Tubarama, c'est que demain soir, si vous voulez, sur sa chaîne, c'est une analyse vidéo de théorie musicale. On révise ensemble la notion des accords, etc. C'est vachement intéressant. Hein. Ah ouais. Et dans 35 minutes, on sera le 2 avril. Mais non, mais Vincent, t'es plus dans le même fuseau horaire que nous. Il est 22h25 chez nous. Donc ça va, on n'est pas encore le 2 avril. Parce que Vincent habite en Roumanie. Voilà, donc ça décale. Ah, c'est international ce soir. Hein. Ah, mince, je t'ai bloqué. Attends, hop. Voilà, hop, on refait ça. C'est bon, c'est parfait. Alors, on enchaîne, du coup. Parce que sinon, on va jamais la finir ce soir. Si, on va... Ça fait 1h20 qu'elle joue, elle doit en avoir plein la gueule. Ça fait 20 minutes qu'elle joue, ça fait 1h20 qu'on parle. C'est nous qui parlons pendant 1 heure. In the direction. One more time. Dans la direction, c'est un peu ce qu'il lui a dit tout à l'heure au début avec la ouais. Droit, yeah. Yes. Ça c'est dur. Hein. C'est horrible cette salle parce que la résonance, t'entends ton pain pendant 3 secondes quoi. 5 or 10% of this continuously. Okay. Joli son. Play the reel. Yes. That is not yeah. That you ouais, et ça, c'est une image. C'est une image qui est toujours hyper. Ah, il y a même une emote avec le vieux. Putain, mais ouais, il y a une emote quoi. C'est une image importante de penser que. Waouh, Vicomte Cheval. Eh, hey, Vicomte Cheval qui s'abonne. On a. Eh, on a l'alerte du coup. Il y a l'alerte qui bouge là. Ah. J'ai pas encore pleuré dans 2 minutes. Vicomte Cheval qui est nouveau, bonjour et bienvenue dans la radio trompette ce soir, traduction. Et en tout cas de se dire que quand on descend mélodiquement en fait, ça ne demande pas d'effort de descendre à la trompette, donc si on relâche, on va descendre trop et ça va décentrer, etc. Donc c'est vraiment bien ce qu'il dit de rester en fait sur l'énergie qu'on a engrangée de la note aiguë et de rentabiliser cette énergie quoi, au lieu de relâcher. C'est vrai que travailler comme ça c'est vachement bien, on n'y pense jamais assez. Et Tubarama il dit elle fait comme moi sauf que toi ton c'est 3 octaves en dessous que tu fais d'ailleurs voilà. Thomas dit au tuba ça va être bien hein. Ton. Et j'ai joué du tuba d'ailleurs aujourd'hui Tubarama, j'ai donné cours de tuba à mon élève Michel et du coup j'ai joué du tuba, c'était rigolo. Est-ce qu'il y a un concerto d'ailleurs pour tuba de Thomas dit parce que je sais qu'il a écrit pour trombone qui ressemble vraiment à celui de trompette. Ah, je connais pas son concerto de trombone. Ouais, j'avais entendu, mais je connais pas son. Je sais pas s'il a écrit pour tuba, mais Vincent nous le dira. Vicomte dit je reviens, écoute, avec plaisir, hein, j'espère qu'on sera toujours là. Faut-il encore d'autres et bienvenue à Benoît X. Bienvenue sur le stream de la trompette. On est en traduction. Laissez-nous continuer, s'il vous plaît. On fait un cours ce soir, les gens. Non, c'est demain, les gens, chez Tubarama. Ce soir, on regarde une masterclass, voilà, qu'on traduit et qu'on commente. Qu'on commente surtout. Ouais, c'est ça. Bah, on traduit quand même, là, globalement, c'est des discussions passionnantes. Ça y est, tout ce qu'il dit, c'est vachement bien. Hein. Ouais, carrément. On a l'impression de travailler avec lui. Okay. Elle n'empêche que ça marche, parce que ce qu'on veut, c'est des résultats, et là, elle joue mieux, quoi. Ouais. Et ça, c'est pareil, on dit souvent, moi je dis souvent aux élèves, Gérard Boulanger nous disait ça, quand on travaille, s'il n'y a pas un résultat tout de suite, au bout de 2-3 coups, il faut changer de technique parce qu'on n'a pas le bon exercice. Ah, Vicomte est à Beau chez toi, c'est pour ça que tu le connais peut-être, non? Oui, Vicomte Cheval, il est à Beau chez moi. Ah, voilà, c'est bien les gars. Il est venu à la fin de mon stream de 7h30, il est venu à la fin, il s'est abonné et tout. Eh ben bonjour Vicomte et bienvenue du coup. Je suis l'autre trompettiste de Twitch. Il est très sympa et très drôle. On est deux en fait en trompette, voilà. Enfin on est plus. Enfin, il y en a d'autres mais on les voit pas beaucoup quoi. Ça serait bien qu'il y ait plus d'instruments quand même. Hein. Ouais. Ça manque de bois un peu tu sais. Ouais bois, ça c'est relou. C'est clair que clarinette au bois tout ça. Il manque. Captain Crochet qui fait la flûte. Bah après oui, ça je connais pas du tout en fait. Hein.
Il n'y a rien d'autre et c'est un peu triste. Mais tu vois là, avec l'article que j'ai eu la chance d'avoir dans La Voix du Nord, bah, j'espère que ça va donner des envies aux profs de musique de se dire, ah bah ouais, vas-y, on va faire des chaînes. C'est sympathique, bah on là, partage. Je pense que le troisième confinement va relancer une nouvelle vague de Parce que tu musiciens qui sais, vont venir. je sais que les profs, par exemple, ont été très tard à se mettre sur YouTube. Il y a eu beaucoup de gens sur YouTube, et après, il y a quelques musiciens qui ont créé des chaînes YouTube. Et au début, on leur dit, c'est de la merde, t'as pas besoin de faire ça. YouTube, c'est les YouTubeurs qui racontent des blagues à la Norman et des trucs qu'on avait à notre époque. Et maintenant, il y en a plein qui ont une chaîne YouTube. Et je pense que Twitch, c'est pareil, en fait. Nous, quand on s'est lancé, on s'est un peu fait traiter. Mais bon, moi, franchement. Moi, pas trop, ça va, mais toi, t'as été le. Ah, bah, le moi, moyen, au tout début, je peux te dire, j'ai dû lutter. Hein. Moi, on m'a dit, tu détruis le Oh métier, là là. tu fais n'importe quoi et Ah tout. ouais? Ah, ouais, je te jure, ça Mais les gens, n'existe ils sont pas. tarés. Ouais, non, mais c'est triste, mais bon. Mais c'est pas grave, hein, faut jamais s'attendre à ce que les nouvelles choses soient acceptées tout de suite. Hein. C'est ça. De toute façon, il y a ceux qui font, ceux qui sont jaloux, hein, c'est Voilà, et pareil. Maridor il dit pitié, pas de bois, mais franchement ce serait sympa, saxophoniste et tout, ils ont plein de choses à nous montrer, Ça manque de et c'est cornemuse. Alors, le dommage. Macanef, figure-toi que j'ai un voisin qui a décidé de commencer à apprendre la cornemuse Putain, apparemment ouais, pendant le quel scandale. confinement. Quel scandale ça. C'est marrant. Non, et tu vois, je Et c'est pense à ça parce bien. que. On parlait des autres instruments, tu sais, mon beau-frère il joue du sax et il joue vraiment très bien. Et il fait pas de vidéos, il fait pas de chaîne YouTube ou Twitch parce que il est par exemple dans un groupe avec plusieurs saxophonistes où il regarde des perles de saxophonistes qui se trompent, tu sais. Il se partage des vidéos comme ça. Et lui il se dit, si je vais sur ces plateformes-là, je risque de passer dans ce genre de groupe. Donc j'ai pas envie en fait. Et je me dis, c'est vraiment triste. C'est comme Lucienne qui me dit, bah non, je veux pas venir au stream du dimanche parce qu'on va me cracher dessus. Je me dis, c'est vraiment triste quand même. Ouais. Enfin bon, Ouais, vaste c'est vrai. sujet. Enfin, heureusement, on est passé au-dessus de tout ça, nous. On a de la chance. Exactement. Alors, allons-y, on continue. Il nous reste quand même hein, assez. Voilà, hein, c'est parti. That's it. Bravo. Then we Ça y est, go dans to l'autre. pass before the cadenza. Deux barres, deux mesures avant la cadence. Ah, elle commence la cadence du coup. Putain, ils vont faire 16 minutes sur la cadence quoi. Ouais, mais c'est nul du coup, tu vois, le piano. On a les roulements. Des rats. Un peu bizarre ce qu'on voit tout ce que je me dis. Ouais. Il est dur ce piano là, à voir. C'est Marsalis à la fin qui joue hyper vite d'ailleurs. Ouais. Thank you.
C'est clair. Très belle cadence. Hein. Bravo, 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 bravo. Il est d'accord. Très, très belle cadence, franchement. Beaucoup de messages dans le chat, merci à tous, hein. Ça fait très, très plaisir. C'est vrai qu'elle envoie vraiment, hein. C'est monstrueux ce qu'elle fait. Hein. Et comme quoi, il faudrait essayer de voir ce qu'elle fait maintenant, de trouver des enregistrements ou quoi. Pour... Tu disais cette masterclass, elle est assez récente par contre, c'est quoi, 2018 ou 2019? Oui, mais bon, 2019, mais peut-être que du coup, elle a fait des trucs, tu vois, j'imagine. Carrément. Si, là, ça doit être la fin de ses études. Elle a un bon masque du Barama, c'est clair, c'est... Elle bouge pas en plus, comme Maridor il faisait remarquer, c'est vrai, on l'a dit dès le début de la vidéo, sur toute la tessiture, elle est au même endroit, quoi. Elle commence pas à bouger dans tous les sens, c'est bien. Et du coup, merci Flo Berus, c'est vrai qu'on essaie de remettre un peu la trompette classique en avant. Même si ça nous arrive aussi de faire des choses un peu plus variété ou musique actuelle. Mais c'est vrai que la trompette dans l'esprit grand public, c'est le jazz ou l'harmonie ou la fanfare, ou voilà, mais la musique classique et la trompette, c'est souvent un peu moins connu, quoi. Et pourtant, et il y a plein de choses à jouer qui sont vraiment très très beaux. Donc oui, c'était intéressant que tu précises que c'est la caisse claire quand elle fait son tri, parce que pour les gens, encore une fois, qui n'écoutent pas la version, on a l'impression que ça accompagne, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est vraiment juste du... Ouais, ou même au début, il est tout doux, doux, doux. Ouais. Le piano, ça prend un peu toute la place, là. Et puis, en plus, c'est harmonique, ou la base, il faut pas, là. Et ça, c'est vraiment un choix particulier, mais je sais pas comment ils auraient pu faire d'autres, en fait. La faire taper sur le piano. Non, ou alors faire une réduction, comme Sbinden, tu te dis... Enfin, Sbinden, c'est pas une réduction, c'est une composition, mais tu te dis, ben, je fais le choix de mettre un percussionniste avec, c'est tout. C'est piano et percussion. Ouais. Ce qui est plus dur, mais bon. C'est un masque de samouraï, oulala. Comment ça? On a dit, elle est peut-être née en Espagne, hein. On sait pas en fait. C'est ça, entre le truc sur les champs de riz de Frédéric. Voilà. Alors, on enchaîne du coup, et on ça avance bien là, donc on arrive vers la fin, on le sent, il va parler 10 minutes de la cadence, quoi. Mio, I think that Mio, it's too much nom. With the decrescendo. I would say that is a nice little idea from the composer, and of course we don't want to play loud, but on the other hand, il parle du decrescendo à la fin. Il dit qu'il y en a trop, ouais. C'est une idée, le decrescendo, et ça, c'est... J'ai tous les profs que j'ai vu donner cours là-dessus, en effet, ils te disent, garde et ça va diminuer tout seul, quoi. Et si en plus tu rajoutes un decrescendo, ça va vraiment chercher un truc. C'est trop, il y a trop, parce que naturellement, voilà. Ça fait déjà un decrescendo. C'est comme quand on met un decrescendo sur une fin de phrase, ça n'a pas de sens souvent, parce que c'est naturellement... Oui, là, le decrescendo, il est là pour souligner l'idée, mais il n'y a pas besoin de le forcer. Non. Oui. In a big concert hall, and we want to play very full and good sound to the very end. Donc, en fait, dans une grande salle de spectacle, on veut jouer très plein avec un son rempli, quoi. Mm-hmm. Pour que ça résonne dans toute la salle, même si c'est du piano, quoi. The nervosity is coming with you, and you planned to play like that. And then it goes a bit to the bad side of the thing, yeah. And I would plan to play without decrescendo and let the decrescendo. Exactement, voilà. Donc il dit le risque là, si tu fais du decrescendo, c'est qu'on risque d'arriver du mauvais côté du son, quoi. Donc dans un son qui va se détériorer. Et il dit j'aurais tendance à jouer sans penser au decrescendo, quoi. C'est exactement ce qu'on disait. Laisse le decrescendo se faire tout seul. Surtout qu'elle prend énormément de risques dans ses nuances. Et c'est vrai que si déjà il y a un orchestre derrière, bah, ça va être plus compliqué de se faire entendre. Et ça, les risques, on sait très bien qu'au bout d'un moment, c'est tendu, quoi. Il faut aussi s'assurer, quoi. Oui, il y a deux choses qu'il dit, ouais, de prendre en compte les musiciens avec lesquels on va jouer si on joue avec orchestre, et puis l'espace dans lequel on joue aussi. Et ça, je me rappelle, Gérard Boulanger, il nous disait toujours, essayez d'être 10% au-dessus de votre minimum et 10% en-dessous de votre maximum pour toujours se garder une marge. Mm-hmm. Et puis, en effet, que ça reste audible, parce que parfois, parfois, au début, les élèves, ils n'en font pas assez les nuances, tu vois, souvent, en deuxième cycle, c'est tout plat, comme ça, puis on a envie d'aller plus, moins, etc. Mais après, du coup, il y a le danger inverse, c'est d'aller chercher des trucs, des nuances qui n'existent pas, quoi, qui sont des trop grosses prises. On le faisait ça en brass band, je me souviens, dans Pas-de-Calais, on allait chercher parce qu'on joue en pupitre. Donc tu sais très bien que par exemple, si ton piano il sort pas, c'est pas grave, on est quatre, donc il y en aura un autre et tout. Oui. Et là tu peux prendre, mais quand t'es soliste devant, un piano de soliste, c'est jamais un piano de musicien de pupitre.
Et ça, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai joué Tomasi, tu sais, quand Touvron il est venu, en fait, les deux répétitions avant qu'il arrive, l'orchestre du conservatoire de Tourcoing, il m'avait demandé si je pouvais faire récitant pour leur donner l'habitude d'entendre. Et du coup, j'ai pu travailler Tomasi avec orchestre et c'est vraiment génial quoi. Ah, t'as travaillé, j'ai une coupure du son donc. Ouais, en fait, j'ai fait récitant pour à la place de Guy Touvron le temps qu'il n'était pas là. Donc moi j'ai été Ah, pour faire super. avec l'orchestre. Ouais, du coup, j'ai pu travailler deux fois Tomasi avec orchestre et c'était vraiment génial. Et il faut laisser. Ah, d'accord, ok. Il faut laisser l'effet se faire. Il faut laisser l'effet se faire. Ouais, d'accord, ok. Tu l'as, Fabien? Ouais, l'effet se faire. Ouais, ok, d'accord. On va la garder, celle-là. Ouais. Ah, ça, Alors. c'est les cubistes, hein, tout de suite, ils arrivent avec la finesse. Ouais, mais on n'est pas des quand même, nous. J'ai envie de dire, on n'est pas des quand même, donc on va y aller. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Happen by nature. Yeah? Donc, le décrescendo arrive par la nature de la phrase, quoi. Look, it's dot, da da di da 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 pang. What is this scale? What is Qu'est-ce que c'est que cette gamme? Alors dans le chat, on répond, c'est quoi comme gamme? Ça c'est pour Tubarama, ça c'est pour l'ancien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà, ça vous aide de savoir qu'il y a que 7 notes. Parce que des gammes heptatoniques, il n'y en a quand même pas 10 000. Hein. Ah, on va attendre 1 minute 30 qu'ils donnent leur réponse ou Voilà, on quoi? va attendre 1 minute 30 la réponse du chat. Alors faut raconter les blagues pendant 1 minute 30. Et... Ça, c'est joli. C'est quand même une sonorité qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a une Ouais. très belle étude de Charlier, d'ailleurs, entièrement sur cette gamme-là. Et C'est celle qui Debussy, fait j'utilise Totito, beaucoup. tita, tati, ta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 . Je crois que c'est celle-là qui fait ça. Et Debussy, ouais, il se fait plaisir aussi. Les harpes aiment bien ça aussi. Ah, alors? On n'est pas des quand même. Alors, on n'est pas les quand même, ouais, mais vous avez toujours pas trouvé la réponse, hein. Y a quoi? Il y a 10 minutes de décalage maintenant dans le chat ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est sous copyright. Ouais, quand même, on n'est Allez, pas les allez, quand tous même, ceux c'est qui vrai. regardent l'ancien chez Tubarama, vous devez savoir ça. On a vu, La gamme. c'était quand la leçon sur les gammes? Mode demi, pas du tout, mais c'est quoi Mais de ça? Mais c'est. Mode non. demi à 7 notes! C'est quand même pas difficile là, je veux dire. Vous voulez que je sorte ma trompette pour la jouer ou quoi? Allez, pour réveiller la petite. Ah, je vais me faire tailler. Mode demi, c'est pas du tout le mode demi, bordel, arrête de le dire! T'as déjà dit non. Attends, je cherche ma trompette là. Y a trop de latence, laisse tomber, vive l'Espagne. C'est pas le mode andalou non plus. Y a 7 notes! Ah, ça a coupé. Ah oui, parce que j'ai pas le bon micro. Attendez, je vais mettre le micro loin. Vas-y. Non, ça coupe encore. Il aime pas ça, la trompette, ton micro. Ah, mon micro, il aime pas. Ouais. Non. Faudrait La que je gamme fasse quelque chose. pentatonique, c'est raté, Jean-Michel. Ça n'est pas la gamme pentatonique non plus. Il y a trop de latence pour que je donne la réponse, Flobérus. Vous êtes des escrocs. Bon, on leur dit, François, c'était donc la gamme par ton. Ouais. On est d'accord? Exactement. Voilà, la gamme On est par ton d'accord. qui porte le nom par ton puisqu'il n'y a que des tons. Voilà, par exemple, Do, Oh Ré, là Mi, là. Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Et ensuite, on revient sur le Do. Tout à fait, vous avez compris. Et des gammes par ton, il y en a combien? Ça, c'est une question subsidiaire. Hein? Combien de gammes par ton existent? Et vous êtes venu pour bosser, hein, vous saviez pas ça. Parce qu'une fois qu'on fait Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, Là, voilà. Après, on fait Ré bémol, enfin Do dièse, quoi. Et on fait tout un ton au-dessus. Et après, on arrive sur Ré. Et du coup, si on arrive sur Ré, eh ben, on revient sur la gamme de Do. Et on fait Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Do, Ré. En fait, c'est la même. Du coup, il n'y en a que deux. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Tonton, Exactement. C'est que c'est mal chanté. tonton. Ah, mais quel enfoiré! Ok. Ok, Autant pour moi. Tubarama, demain tu joues Tomasi à l'octave au Il y a de la Tubarama pour la mauvaise foi gamme. dans le chat. Il y a de la mauvaise foi, je ne savais pas. Voilà. Donc on va avancer. Alors allons-y. Allez, on avance. Voilà, c'est tout, c'est tout. Nous on essaye d'être sérieux. It's a special scale, huh? A whole tone, yeah? Voilà. Ah, il donne Une la gamme. réponse. Voilà. Mais oui! Yeah? So you don't play the last note, but you play all. Yeah? And that is a little bit out of our tonal system with minor major. Yeah? It's. Woo. It François has a Frémo qui special. donne des beats.
Ah ouais, c'est le monobit du sel. Le monobit voilà. Du sel. Gling. C'est beau le monobit. Alors, où on en est là du coup? Hop, je reprends ma commande. Ouais. Therefore, I think you should not play too much piano. Because it's ça c'est son gros défaut. Another hold on. Wow, one more. Yes. On traduit tout ça? Bah encore une note. Yes. Oh, oh yes. Encore une. La 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 la. So this is and also for the security, for the beauty of sound. Là, pour la sécurité, so la beauté du son. Don't overdrive with the risk. Donc n'exagère pas avec le risque, parce que c'est ça qu'il dit, quoi. Si tu diminues, tu finis par te coincer, quoi. Comme disait Laurent Bourdon, un pet de plus et c'est la merde. Voilà. Donc faut pas aller trop dans le piano. Oh, faites bien attention. Il est génial ce prof, moi je l'adorais. I mean, on one hand you played it very good. On one other hand, I find myself in the situation that I think, okay, I'm not a good teacher, because I was provoking you too much in 25 with this. Je suis pas un bon professeur, je t'ai trop provoqué à 25. Tubarama, c'est faux. On connaît aussi les modes de Messian. Ah. Alors, les modes de transmission limitée. Ton demi-ton. Ah, tu vois. Ah. Et voilà, et on parlera pas de tous les modes, parce qu'en plus on a suivi les cours d'harmonie de la chaîne Tubarama, donc c'est vrai qu'on est un peu plus calé là-dessus maintenant. Et les excellentes harmonisations que vous faites le lundi soir, qui sont vraiment géniales. Hein. D'ailleurs la 11 est sortie, hein, j'en profite, c'est l'instant pub encore, la 11 est sortie aujourd'hui sur YouTube. Et elle est vraiment cool celle-là, elle est vraiment très très cool, je l'ai jouée aujourd'hui du coup, très très belle. Et elle est pas strikée sur YouTube. Bah non, du coup ça fait plaisir. Phil Snedekor, il s'en tape qu'on réharmonise ses études. Docs. You understood what I mean, but perhaps you stood too, understood too strong. Yeah. Sometimes, t'as compris ce qu'il s'est expliqué, mais tu l'as compris trop fort. Faut trouver le juste milieu. Parfois, en tant que professeur. You make a very wild, colorful picture to move people for one centimeter. Parfois, tu fais, quand t'es professeur, c'est ce que j'expliquais avant avec les deuxièmes titres, tu utilises des images très, très colorées, très exagérées pour faire bouger l'élève de 1 cm. Ouais. I do a very light aquarelle, and you move meters. Et moi, j'ai fait une aquarelle très, très légère, et toi, t'as complètement changé ta façon de jouer. Ça fait plaisir à la pianiste. Ouais, c'est ça. So... Understand me in the right way. Comprends-moi de la bonne manière. Le meilleur harmoniseur, c'est François. Eh, les gars, vous voulez qu'on lance un sondage? La Reine des Neiges, ça va bien 5 minutes. Hein. C'est le meilleur. Allez, fais un sondage sur ta chaîne, quand même. C'est le meilleur harmoniseur de la ménagère de moins de 50 ans, en fait, c'est ça. Fais un sondage sur ta chaîne, là. Je peux pas, j'utilise Restream. Du coup, il n'y a pas les sondages. Tu vois, je pas vraiment. Et salut, ouais. Franck, bienvenue. Bon, tu arrives à la fin de la vidéo, Franck, hein. C'est bientôt la fin. Attends, non mais c'est de l'escroquerie ça. Je supprimerai tous les messages. Hein. Je suis modérateur. Voilà. Hey, spammez des 1 les gars. Spammez des 1 sinon je banne. Je parle de l'harmonisation. Hein. Je banne à rallonge. Hein. Je banne à rallonge. Hein. Ah, ah, le bizarre, mec il vote pour lui. Eh ben, moi aussi je vote pour moi. Voilà. Alors du coup... Franck, t'arrives en bon moment, dis un. Merci Cédric, merci. Ouais, il voilà. Y en a qui se mouillent pas, on voit, d'accord. Putain, franchement, Romain. Tatiana, mais c'est quoi ça? 0, c'est pour Tubarama, 0, c'est ça? Alors, écoutons la suite quand même. Voilà, vous voulez dire des bêtises. Parce qu'après, vous allez faire dodo. So, the scherzando is a small bit not. Counting like mathematics, it's a little bit early late, but... Donc il dit le scherzando, faut trouver quelque chose qui n'est pas mathématique, voilà. Alors ça c'est une question d'Alan sur Facebook. Bon déjà, au revoir Tubarama, il est fatigué, donc bonne nuit, on te retrouve demain. Ouais.
Et désolé, je rentre du travail, Franck, pas de souci. Alan Scorp dit pourquoi un classicard, alors on va dire une personne qui joue du classique, devient-il un jazzeux, c'est-à-dire une personne qui joue du jazz, comme Marsalis, alors qu'un jazzeux devient rarement classicard. Marsalis, c'est pas devenu jazzeux. Je pense qu'il voulait faire du jazz en fait depuis assez longtemps. Donc, il fait les deux en plus, hein, en fait. Maintenant, il fait plus que du jazz, mais je pense que c'est vraiment parce que c'est ça qu'il a envie de faire. Quoi. Et c'est pas si vieux que ça. Il a encore enregistré des albums classiques il y a pas très longtemps, en fait. Il a fait un reportage. C'était à la fin des années 90 quand même, donc ça commence à dater, où il explique qu'il veut faire les deux, en fait. Ça s'appelle Catch the Snake et il faudrait qu'on le traduise un jour. Ce serait pas mal. Et d'ailleurs, c'est un des rares qui, je trouve, arrive à faire les deux à un égal niveau de compétence. C'est vrai. Souvent, alors, ils vont être un peu moins dans un autre, un peu moins dans l'autre, et lui, c'est le top dans les deux. Quoi. Merci, Franck. En fait, Alan, moi, la réponse que je dirais, c'est que les gens jouent ce qu'ils ont envie de jouer, en fait. Il n'y a pas de raison. Voilà. Un jazzeux, en général, il va commencer peut-être plus tard, et du coup, c'est pour ça qu'il va rester dans le jazz, parce qu'il n'aura pas eu la formation classique. Parce que globalement, tous les classiques qui deviennent des jazz, on va dire qu'ils vont vers le jazz... Ils ont tous eu une formation classique de trompette à la base, en fait. On peut pas avoir une formation de jazz à la trompette. T'as forcément un apprentissage classique pour apprendre à maîtriser l'instrument. Et ça passe par des études. On peut pas apprendre... Enfin, je m'avance peut-être, mais je pense pas qu'on puisse apprendre la trompette que par le jazz. À un enfant, en tout cas. Mais pour l'instant, c'est pas très développé, quoi. Ouais, et après, c'est peut-être... pour maîtriser la trompette et pouvoir jouer à tous les styles, d'avoir une base classique, c'est un peu comme le solfège, quoi. C'est important d'avoir ce langage-là, je pense. Voilà. C'était la question à 22h50, là. Donc, allez, il nous reste 10 minutes, les gars. Si on veut pas que ce soit à minuit, là... That was this place. Before 25, I think your third phrase, 24 is the first phrase. Then... Donc ta première phrase avant 24... Voilà ce qu'il explique là. Je sais pas ce qu'il va lui dire. The third one, more colorful. La troisième, plus colorée, quoi. Il veut s'énerver un peu plus. On a du mal à la voir s'énerver, hein, quand même. Globalement, là, ça fait une demi-heure qu'on la voit jouer. On a l'impression que c'est plutôt... Il veut la faire sortir un peu d'elle-même, quoi. Exactement. Que ça pétille un peu. And then perhaps you can make when you are more bad girl, then you can disappear more in a way of surprise. It was. Donc il dit si tu fais justement la bad girl, la méchante fille dans ces trucs-là, bah il y a des moments où tu vas pouvoir un peu disparaître aussi. Enfin, en gros, il l'invite à faire du contraste. Et salut Romain, du coup bonne soirée. N'hésite pas à passer demain. On sera en live. Et merci. Voilà. Et je crois que tu live aussi dimanche matin, François. 10h30. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à venir. The disappearing plant. You said to your mother, "Mother, in 15 minutes I go out of the house and you can see me the whole when I go the long street, you can follow with your eyes, you can follow my way." That is what you said. And... Ah oui, OK, il dit attends, remets le J'ai pas compris le contexte de ça, ouais, parce qu'il dit tu me regardes dans la rue, tu peux me voir jusqu'où. Ça c'est quoi le contexte? Il lui dit il demande la permission, quoi. Ah oui, The third one, more colorful. Bad girl, you are. Yeah. Bam, 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 and then perhaps you can make, when you are more bad girl, then you can disappear more in a way of surprise. It was the disappearing plant. You said to your mother, "Mother, in 15 minutes I go out of the house and you can see me the whole when I go." Elle parle à sa mère, en fait. Il faut que tu fasses ta méchante fille, t'es une méchante fille, et ça va te permettre de disparaître par surprise, parce que c'est, là, t'es en train de dire, bon, maman, dans 15 minutes, je vais sortir dans la rue et tu pourras me regarder dans la rue et vérifier où je marche et tout ça. Donc, en gros, il dit, tu enlèves l'effet de surprise. Et pour revenir à notre débat sur le classique et le jazz, ce que Flo Virus dit, là, l'exception, c'est peut-être les fanfares de la Nouvelle-Orléans. En fait, j'ai l'impression que quand on t'apprend comme ça, comme les autodidactes de jazz, le chemin vers le classique n'est pas possible. C'est ça, en fait, le problème. C'est quand t'apprends le classique, le chemin vers le jazz, c'est un enseignement que tu vas pouvoir apprendre. L'inverse est peut-être plus difficile, je trouve.
Il va y avoir un plus gros travail, peut-être. Après, on dit ça, on est des classiques, donc on va encore se faire traiter en disant ah, mais vous dites ça parce que vous êtes classique, blabla. Bref. Non, bah, tu vois, nous, là, au conservatoire, on essaie de développer un vrai département de jazz où tu peux commencer par le jazz à 9 ans si tu veux, mais avec des profs qui vont. Alors, ils vont. Tu vas pas forcément faire des morceaux classiques, mais il y a des éléments de technique qui vont être identiques parce que l'instrument, c'est l'instrument, quoi. Ce que dit Marie Dor, c'est qu'il y a une école comme ça au Havre, Jupo Jazz Union Port Océane, qui dit qu'ils commencent avec des gamins pour qu'ils commencent du jazz, mais en fait, c'est les mêmes méthodes de trompette. C'est-à-dire qu'ils vont oui, ouvrir voilà. Arban pour travailler le son, à travailler ça, les gammes. Au bout d'un moment, il faut travailler les mêmes choses. Hein, de et puis, on parle de gamme. Hein. Moi, j'ai fait 2 ans de jazz au conservatoire de Tourcoing, je m'étais inscrit au département. En vrai, heureusement que j'avais une bonne technique, les gammes, c'était... Enfin, voilà, c'est les mêmes. Tu ressors tes modes, tu ressors... Ça porte pas le même nom, ça porte souvent pas le même nom. Genre, le mode de Messiaen, ils appellent ça la gamme semi-diminuée hein, ou un truc comme ça. Et moi, la première fois qu'il m'a dit ça, je la joue, je dis, bah, c'est le mode 2, en fait. Et il dit, ouais, mais il l'appelle pas comme ça, en fait. Et... c'est tous les trucs comme ça, quoi. Elle est dans ce que l'on doit peut-être rechercher avec une trompette, c'est-à-dire dans l'ataraxie. Oula, ça, c'est Alan qui nous dit ça sur Facebook. Là, l'ataraxie, je ne sais pas ce que c'est, l'ataraxie. Alors, il y a quelqu'un qui... Jean-Mi Trompette qui dit, elle est calme et détendue. C'est peut-être ça, l'ataraxie. C'est peut-être ça, on ouais. On va chercher pour pas mourir idiot. Ataraxie. Du grec ataraxia signifiant absence de trouble. Ah bah elle n'est pas troublée, ouais. Elle est la modération et l'harmonie de l'existence. C'est beau ce mot. C'est beau, ouais, franchement. C'est bien chez Démocrite, voilà, tu vois, on aura appris des choses. Ah, j'ai plus ta voix. Si, si, c'est parce que je parlais pas, c'est drôle. J'ai un collègue prof de solfège qui envoie une image où il dit j'ai donné un exercice au gamin, écrire la gamme de sol majeur sur une portée, tu sais. Ouais. Et il y a un sol, une flèche vers le haut pour lui dire écrire la gamme de sol majeur. Et le mec, il a écrit sol majeur. Il a pas du tout écrit le mec. Il aurait dû écrire gamme de sol majeur. Bah ouais, c'est ça, non mais c'est drôle. Alors, dans la méthode écouter, lire et jouer, il y a des impros préécrites. Oui, c'est vrai. Alors, on parlera peut-être des méthodes un autre jour. Et on va pas rentrer dans le allez, débat ce soir parce que là. Terminons ouais. Cette interactive. Là. The long street you can follow with your eyes, you can follow my way. Voilà, et là, il dit à ma mère tu peux me suivre dans la rue, tu peux me regarder où je vais et tout ça. Donc, il dit c'est ce que tu es en train de faire. Said. And I would say disappear suddenly. Et moi, je disparais d'un coup, quoi. Yeah, that the description of how to disappear is control or totally out of control or not controlled. This and the second thing where I thought. J'ai pas compris la description de comment disparaître, c'est être dans le contrôle ou pas du tout dans le contrôle. You can follow with your eyes. J'ai remis un peu en arrière. That is what you said. And I would say. Disappear suddenly. C'est disparaît yeah. Soudainement quoi. The description of how to disappear is control or totally out of control or not. C'est ça, la description de comment en disparaître, c'est dans le contrôle ou complètement hors de contrôle. Ah oui, en gros voilà, il dit t'as deux manières de quitter cette phrase quoi. Soit comme elle fait, en gros il dit c'est un peu téléguidé quoi. Un truc très progressif. Et il voudrait qu'il y ait plus un effet de surprise. Il dit qui s'éteint comme ça. Ouais. Surprise quoi. Voilà. Soudainement. Suddenly. Suddenly. Voilà. This and the second thing where I thought. Ah, il prend sa trompette. I'm a bad teacher. That was the best. La deuxième chose où je me dis tiens, je suis un meilleur professeur. Je vais essayer d'expliquer, c'est que. J'ai pas joué de la trompette. Yeah, you did. C'est même pas Thomasy en plus. Mec, il joue un routouillon là. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. And what I mean is. Putain, il a des belles liaisons, hein. Quel bâtard. Ouais. I want to say a small bit of it is good. Donc
je pense qu'il dit voilà, d'avoir une attaque un peu douce, mais pas de faire un truc. Oh, là, 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 c'est rigolo parce qu'il joue vraiment, on a l'impression que tout est les gâteaux hein, quand il joue. Ouais. And the, in the 22, you can be more bien chanté. À 22, encore plus bien chanté. Ça, c'était une traduction difficile. Voilà. T'as le mec qui se serait fait engueuler par Gérard Boulanger, hein. Donner un cours et attendre 30 minutes avant de sortir ta trompette. C'est ça. Je veux te dire que là... Oui. C'est beau ça. C'est beau ça. Yeah. Et merde, j'ai mis un pain. Sauve-moi, s'il te plaît, Ricard. It's called bien chanté. Before it's called déclamé. Bien. Donc là, c'est bien chanté. Avant, c'est déclamé. And then it's a song. Then it's not a description of a technical receipt how to use your kitchen machine for cooking the Ah, Tatiana, elle est partie, mince. Oui, c'est pas une description d'une machine de cuisine pour cuisiner. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que là? Thermomix. Thermomix. Merde, mon gars, va falloir qu'on cite trois autres marques. Il a faim. Il va falloir qu'on cite des marques là parce que Thermomix, on n'est pas sponsorisé. Donc Cookeo et qu'est-ce qu'on va faire avec Thermomix. Allô Thermomix, voilà, on vous a cité. On peut en avoir un avec François pour faire des recettes. Thermomix. T'as pas prévu un stream cuisine d'ailleurs? Non. T'en as pas mis un? Tu t'es pas dit les 1000 follow ou les 2000 follow un stream cuisine? Non. Ah non, mais ça, ce serait drôle. Ils le font tous. Bien cuisiner, je cuisine bien. Oui, non, mais maintenant que tu m'as fait acheter cet énorme PC, je vais pas le déplacer dans ma cuisine. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais déplace ta cuisine. Alors, non. You can do everything in the kitchen. The Thermomix is the new star of the kitchen. But, and you read. Tu peux tout faire dans ta cuisine. Il y a le Thermomix qui peut tout faire dans ta cuisine. Et toi, tu es en train de lire. Mec, il aime bien la bouffe, invisiblement. Description how to use the Thermomix. Tu lis la description de comment utiliser le Thermomix. Mais il dit non, faut nous faire délire. A love song. Une chanson d'amour. Il aime bien ça, donc. Yeah. So this little thing. Another little thing is. Une autre chose. Une autre petite chose, c'est que. I think you wait too long. You can play the last note before, strong. That it's a complete reaction to I do this and then this happens. Voilà, donc c'est une réaction. Première phrase, réaction. C'est dans conséquence. That is two times. You can then you automatically you get more time. On parle de Thermomix, Tatiana. Attends, mais oui, mais t'as parlé pendant qu'il parlait. Mais ouais. Allez, on réécoute. That is two times. You can and then you automatically you get more time for the big fermata. Et du coup, automatiquement, t'as plus de temps pour le gros point d'orgue. Comment on dit un point d'orgue en anglais? Fermata. You have this small fermata, yeah, the round one, and you have this. Voilà, donc t'as le petit point d'orgue qui est en rond, et puis après t'as le grand point d'orgue carré là. Old one, yeah, the from and when you keep the strong note with the small fermata, dom pa ta ga ta ga dom. Tu gardes la note fort avec le petit point d'orgue, voilà, parce qu'il y a un petit point d'orgue, grand point d'orgue, je pense que c'est ça dont il est en train de parler. Et Tatiana, elle dit que le Thermomix, c'est un truc d'allemand, je ne sais pas, je n'utilise pas de Thermomix. En tout cas, c'est un truc très cher. Ouais, c'est surtout très cher. Et là, tu prends beaucoup de temps. Before, after this chromatic scale, yeah. Non, il y a un chromatique. Play a good low note.
Et là, joue une bonne note forte. A good long note. Une belle pause de son, quoi. Voilà. A little bit longer, it was a little bit too much decrescendo on it. C'est un peu trop decrescendo. Toujours, on y revient. Il n'y a pas de decrescendo, c'est tout forté cette descente-là. So. You understand what I want? Tu comprends ce que je veux? Bah montre-le mon gars, on veut le voir nous aussi. Ça montre pas la gamme chromatique, hein. Il est malin. Ouais. Alors les doigts Friedrich, les petites saucisses, Arzo. Moufle d'or. Ouais. Bam bam bam. Can I hear one more time the 20? Est-ce que je peux réentendre encore une fois à 20? Eric reprend juste avant. Super, on a le droit à la batterie. Could you take away your energy? Could you play it very peaceful? Est-ce que tu peux enlever ton énergie énervée et jouer ça avec beaucoup de paix? Question mark. P-A-X. Voilà, j'allais dire, comme s'il y avait un point d'interrogation. Comme si c'était une chanson avec une question. Dutch qualité. Voilà, le point d'interrogation japonais. I want to hear a Japanese question mark. Please play for me. Voilà, fais-moi un point d'interrogation japonais. Je connais pas ça. Ça a pas l'air très propre. Hein. C'est ça le point d'exclamation japonais, c'est la même phrase avec des pains, quoi. Putain, voilà, c'est brin d'or, quoi. Ouais, c'est clair. Il est bien ce petit émo de brin d'or, quand même. Ah ouais. Could you take a little bit less energy? Da-da-da! Da-da-da! Pam-pam-pam! A bit neutral. Da-da-da-da! I don't know where to go. I don't know where is this street. Yeah. Je sais pas où est. Don't know where. Et c'est vrai Jean-Michel, mais je pense que dans ce genre de masterclass aussi, où il sait qu'il est filmé, que ce sera diffusé et tout, c'est toujours compliqué d'aller montrer un exemple. Ouais. Parce qu'une masterclass c'est du live, voilà, après ça disparaît. Et l'élève il joue ça depuis 6 mois, il risque de le jouer mieux que lui sur les trains. Ouais, quoi, donc... c'est clair. Et lui on sait pas quel état il a de Tomasi là, ça se trouve il a pas joué depuis 3 ans parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité en concert. Voilà, il s'est fait 10 élèves avec 10 concertos différents. Et c'est il ça, on ne sait pas à quel moment de la journée, on ne sait pas son état de fatigue et tout. Et comme disait Gérard Boulanger, un exemple, ça doit être démonstratif, sinon c'est contre-productif. C'est exact. Alan Scorp dit un truc intéressant, et ça je pense que tu réagiras dessus. C'est sur Facebook, donc je te relaie. Il dit perd-elle sa personnalité musicale si elle reste calée uniquement par mimétisme sur l'interprétation de Friedrich? Bah, après, c'est l'intérêt de ces rencontres à haut niveau comme ça de masterclass. C'est il vient, il dit voilà, moi je partage mon point de vue sur Tomasi. Et puis après, bah, évidemment, il faut qu'elle retrouve son idée à elle aussi. Mais il essaie de lui expliquer en tout cas pourquoi lui il pense que ça c'est pas forcément un bon choix, ou, etc. En tout cas, il donne son avis par rapport à son expérience de jeu et sa connaissance de l'œuvre. Mais après, évidemment, dans un deuxième temps, il faut qu'ensuite elle mûrisse tout ça. Puis chose, voilà, je pense que c'est pas forcément du mimétisme, c'est plus de l'inspiration, quoi. C'est qu'elle va prendre un peu de Friedrich, comme elle a pris peut-être un peu d'Eric Aubier ou un peu d'un autre trompettiste pour créer. Hein. On l'entend très bien, ça. Moi, une fois, j'avais écouté une version de Hummel sur Radio Classique et j'avais été incapable de retrouver le trompettiste. Alors qu'en général, tu reconnais plutôt parce qu'ils mettent des grandes versions et tout. Et en fait, c'était Romain Leleu. Et j'hésitais vraiment entre Alison Balsom, Nakaryakov sur des trucs. Ah ouais. Et tu te dis, en fait. Bah, tu te rends compte qu'il a pioché aussi un peu partout et qu'il y a plein d'inspiration et que. Et du coup, j'avais même pas reconnu Romain Leleu. Et tu te dis que tu vois l'inspiration de tout ce qu'il a pu entendre aussi, quoi. Que ça l'a nourri. Ouais. Et c'était très intéressant. Hey, it's the street, yeah. So, no, I don't know where it's the street, yeah. So, you are soft. Donc, il dit trouver le bon ton, quoi. Tu dis pas, je sais pas où est la rue, mais. Voilà, d'essayer d'être dans le bon personnage, quoi. Mm-hmm. Because you don't know. Yeah. Parce que tu sais pas.
C'est marrant, elle détache tout alors qu'elle a vraiment une liaison. Elle a une belle technique hein, quand même aussi. Ses gammes propres et chantes. Ouais. Yes. Okay. Yeah. Okay. So that is that. I think that is the beginning of the cadenza, because now you. Je pense que là c'est le début de la cadence. Mm-hmm. In the beginning, this theme what we heard a million of times. Now. Au début, on a ce thème qu'on a entendu un million de fois. In all ways, but we heard it never in a piano version as a Japanese question mark. Mais on n'a jamais entendu piano comme un point d'interrogation japonais. Mmh. C'est ça qu'il faut trouver quoi. C'est la métaphore du Japon quoi. C'est dommage qu'on ne sache pas ce que c'est un point d'interrogation japonais quoi. Oui, c'est un signe. Ouais. We heard it like that, and that is beautiful. And then you, after you increase continuously, and then you do this horrible long scale, and you stay on the power, yeah. Donc tu, voilà, on l'a entendu, on l'a jamais entendu comme ça. D'un coup, on l'entend en point d'interrogation japonais, et puis tu continues et tu développes et jusqu'à cette horrible gamme qui arrive jusqu'à cette note grave, chromatique. Et on arrive à la fin tranquillement. Attends, hop, c'est là. Que je me perde pas. Bam, 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 bam. So I think that was very storytelling. Yeah? And that is what we have to do. Je pense que là tu racontes. We have to. Tu racontes vraiment une histoire et c'est ça qu'on doit faire. We have to be wonderful storytellers who tell stories. On va être des merveilleux raconteurs d'histoires qui racontent des histoires qui. Other people can believe. I mean, it's not. Qui racontent des histoires auxquelles les autres personnes peuvent croire. Que ça semble véritable, quoi. Et surtout que ça ait du sens. J'aimais bien aimer ta métaphore quand il dit. Quand tu demandes où est la rue, tu mets le ton pour demander cette phrase, quoi. C'était un bon exemple. Du coup, comprendre ce qu'on joue, quoi. Exactement. They softer or louder, it's the content, yeah, that the people. Donc c'est pas juste jouer fort ou jouer doux, mais c'est le contenu. What we are doing, and more than logical, fantasyful, yeah. But it's wonderful to listen to you. Bravo. Can you play the blues? C'est bien, bravo. Mais en gros, over the time, play the blues once again. Donc là, il y a plus de temps. Elle jouera la suite plus tard, quoi. En gros, mais on l'a déjà entendu dans plusieurs masterclass, ça d'ailleurs, hein, de pas juste faire fort parce que c'est fort piano parce que c'est piano, mais mettre du sens derrière les notes, quoi. Ouais, exactement. Mais du coup aussi comprendre le contexte de la phrase qu'on est en train de jouer, etc. Ouais. Et ben c'est parfait. Et ben écoutez, on arrive à la fin de cette traduction du coup, hein. On dit elle qu'à la fin de la phrase, ben c'est fini en fait. Il reste une minute. Wow, du coup. Small. Ah bah elle va encore jouer un peu. Not a package, only one. Comme une petite cigarette. Une bouffée de cigarette. Bravo. Ok. Already done. Already done. Joli, now it was not a comedy. Already done. Ça veut dire quoi ça veut dire? On l'a déjà fait. Oui, répète. Ok. Now it was a serious blues. Là, c'est du blues sérieux, quoi. Pour ça, il dit la cigarette du club de jazz. Voilà. Now it was serious. Before it, I thought it's a little bit on the comedian side. Also fun. Sérieux, et là, c'est le côté un peu comédien dans ce passage. Well, why not? Okay. Bravo! Il n'y a personne dans la salle ou quoi? You are wonderful. Comme bravo. Souvent dans les masterclass de trompette, malheureusement. To be c'est dingue ça. Your teacher. Ah, il est heureux d'être son professeur. Ah, c'est son prof alors? Non, mais pour la masterclass. Ah oui, ok, ouais. We are all proud of your, what you do. Et voilà. On est tous fiers de ce que tu as fait, Avery. C'est vrai que c'est magnifique quand même. C'était très beau. C'est le moment d'essayer une petite commande que j'ai mise.
Du coup, dans le chat, j'ai créé une nouvelle commande. Attends, j'ai mis Wynton Marsalis qu'on va pouvoir écouter après. J'ai mis GGF. Est-ce que ça marche? Ah, ça a pas l'air de marcher. Non. Mais pourquoi ça good marche pas? Good game, C'est good game, François. Ah, attends. Ah. Attends, normalement, ça fait un message automatique. Comme ça, les gens, à la fin, ils peuvent dire GG, François. Ok, c'est bon, j'avais pas appuyé sur entrée. Maintenant, on peut le faire, donc on peut tous dire bravo, François. Vous pouvez faire la merveilleuse commande GGF. Ah oui, ça y est, ça arrive, Martin. Voilà, bravo François pour cette traduction. Allez vite follow la chaîne de François. J'espère que j'ai pas fait de faute. Non, je n'ai pas fait de faute. Alors, on peut terminer cette vidéo en écoutant Wynton Marsalis. Attends, il faut du coup que je changer de fenêtre. Et je vous propose chez vous de faire les doigtés par cœur de Tomasi pour voir si vous vous en rappelez. Attends, hop, ça c'est bon, je remets là. Est-ce que du coup tu vois, est-ce que tu vois Wynton Marsalis? Et demain, oui. Demain, tout à fait. Demain, Tomasi, sur ton stream. Par François, à 10h30. Ah, tu vois pas sur Discord? Non, oui. Je t'avais partagé. Dans Discord. Ouais. Demain, on fait Forestier et Tomasi à 10h30. Parfait. Eh ben, on peut écouter du coup cette version qui nous a été proposée par Friedrich, où il nous dit que Wynton Marsalis peut se permettre d'aller très vite, de ralentir, etc. On va peut-être pas tout c'est écouter. C'est vrai qu'à la fin de mémoire, il fait « Il va vraiment vite sur ça. On va peut-être pas tout écouter, à mon avis. Ouais, ça dure 7 minutes 30, après c'est peut-être un peu long et je risque de me faire striker. Et on va déjà commencer le début. C'est parti, donc on écoute ce dont il nous parlait. Joli, joli. Un beau vibrato. Oh, tout lié et tout. Il y a plein de versions sur les articulations de Tomasi. À la hutte ou la CB? À la hutte. Hein. Je mets ça en CB. Cette ambiance de cordes avec son ligne. C'est clair. C'est magnifique. Là. C'est tellement doux. Quel détaché. Ah, il a fait un double écart. T'as entendu? C'est pas vrai. T'as entendu? Si ça me si do. Attends, on va réécouter. Non, j'ai pas entendu du il tout. Il a fait un double écart au lieu d'un double bémol. C'est pas possible. C'est un do bémol, on est d'accord, hein. Ah ouais. Oh putain, c'est chaud. T'as vu? C'est dingue. Je sais pas du tout. Yes, il a fait une faute. Attends, c'est dingue quand même. On est tous d'accord que c'est un do bémol, hein. Attends, bah on a la partition. Trompette. Répertoire. Tomasi. Sûr que c'est un. Non, c'est pas dans le romantique, dans le moderne. Tomasi. On va aller regarder la partie de trompette. Alors, je fais une pause là depuis 15 ans, mais. Mettons une pause là-dessus. Non, pourquoi? Mais moi, ça me choque aussi là. Ça sent bizarre là quand tu joues comme ça. C'est stylo là. Non, c'est ça, elle est pas si. Tadi, tata. Attends, regarde. Hop. Soyons. Capture de fenêtre. Voilà, les gars. Attention, on fait l'analyse des versions de Marsalis là ce soir. Hop, on recadre ça. Très joliment. Voilà, nous sommes dans le concerto. Donc, nous sommes dans le concerto de Tomasi. Dépistage de faute. Alors. Après, il a peut-être une autre version à l'époque. Hein.
Et voilà du do. C'est les trompettes en ut, hein. Ouais. Si, c'est le do. Ah, sinon, do bémol, hein. Regarde. Ouais, c'est ça. Il hein. est valable encore, hein. J'ai pas la partition en l'image, si, mais. Si. Tu verras le décalage du stream, mais. C'est si, sol bémol, mi bémol, do bémol, si bémol, do. Là. Ouais, c'est si, si. Do bémol, on est ouais, ouais, c'est do bémol. Voilà. Putain, c'est dingue, hein. Ah, il a fait une faute. Je sais pas sur quelle version, mais. En fait, c'est sûrement la version qu'il avait, hein. Tellement de problèmes d'édition dans ton musique. Moi, quelle partition j'ai du coup? J'ai le Duc, moi. Ah, que le Duc en France qui l'édite. Ah bah voilà. Ils ont le monopole. C'est bizarre, oui, c'est bizarre. C'est ça qui était. Il y a peut-être une erreur sur l'édition à l'époque et il a fait comme ça. Ouais. Pas l'intérêt de travailler par cœur, parce que je connais les partages. C'est clair. Je vais voir la cadence, peut-être comment il a fait. Ouais, on va avancer un peu. Pareil, là il a fait Do, Ré, Mi au lieu de Do, Diaz, Ré, Diaz. Putain, mais t'entends tout là! Regarde, remets la partition. Ouais, je l'ai. T'as vu? Oh, là, c'est Do, Ré. Attends, vas-y, Do, Ré, Mi ça! Il a fait Do, Bécar, Ré, Bécar. Dans la montée dès le début là. Ta da do ta 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 ti ta ti. Do, Ré, Mi. Ah ouais, ouais, subtil. Il fait Do, Bécar, Ré, Bécar. Ah ouais, putain, c'est dingue. Oui. Il avait carrément une autre version, quoi. Ouais, à mon avis, ouais. Mais là, ça fait bizarre quand même la montée comme ça. Ouais. Deux fois. Tigada, tata, tata. C'est beau ça. Et pas du tout de pause avant la gamme. Enchaîné, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, lui, il fait tout. Yeah. La vraie version pour les grands. En même temps, Marsalis, on sait qu'il va tout faire. On l'attend tous. Ouais. Ah, ce petit corps anglais derrière. En tout cas, ça sert l'oreille absolue pour retrouver les erreurs. C'est clair. Ah, ça change tout, la caisse. Vous voyez l'ambiance de caisse claire, là, c'est complètement différent. Bah ouais, que des vieux. Qu'est-ce que c'est beau. C'est précis, il y a tout, quoi. Ouais. Et lui, il diminue quand même sur le... Ah oui, t'as... Patapatapata, il fait très... strict. Et nous, on est influencé par Eric Aubier maintenant. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien cette version-là. Ouais. C'est marrant, c'est pas marqué moins fort sur ta litotata. Ah, il joue vite, hein. Et puis y a pas le... Si, mais très faible. Ah, ouais, je m'entends pas. Oui, il joue un peu comme un...
peux pas monter plus. Eh, il joue régulier. Mais ça, il le fait vite. Bah, il est marqué vif, hein, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un super logiciel, Marseille. C'est ça. C'est clair, quel bâtard. Bien programmé. Il me score. Là, il y a un roulement de caisse très très faible. Ouais, et je crois que c'est là où il le fait hyper vite, le Scarvando. Putain. Voilà. Et là, il change carrément le rythme, tu vois, il fait... Ah bah ouais. En fait, il met la noire sur la première note, au lieu de mettre la noire sur la dernière note. Et il fait pas du tout un ralenti, là, c'est carrément... Je change de tempo, quoi. Mais c'est abusé, là, ça fait des souplesses, ça fait dégueulasse, là. You, boy. Ouais. Et puis surtout, il fait ting les gants. On va le faire ting les gants. Ouais. C'est étrange comme choix. Ok. Trois fausses notes quand même, Marsalis. Mais on lui pardonne. Ça doit être l'édition, ouais, c'est obligé. C'est sûr. Il va pas faire des trucs pareils, ça passe pas. Alors justement, c'est que c'est la partition qu'il devait avoir à l'époque, quoi. C'est clair. Eh ben, c'est une belle version quand même, hein. Pour un mec quand même qui est si fort en jazz, tu te dis, il a vraiment tout bossé, hein, ce type. Hein. Ouais. Eh ben, c'est ça, parfait. C'est ça qui me le font, il est fort dans tout. Quoi. Il est fort dans tout, c'est exactement bon, ça. Bon bah écoute, c'était chouette. Bah ouais, c'était une belle petite soirée. N'hésitez pas à nous faire des propositions pour les prochaines traductions aussi. Attends, je remets un partage. Hop. Sinon, ça foire ma mise en place. Sur voilà. Trompette Actu. Non, c'est pas important le partage, c'était juste pour remettre ma mise en page. Donc j'ai pas, je sais même pas. J'ai partagé l'impôt encore. Non, pas du tout. Non. Bah ouais, merci à tous. Très belle soirée en tout cas. Donc demain 9h30 François, 9h Tubarama, 13h30 je serai là. Loulou sera là sûrement dans la journée. Et puis voilà quoi. Bah, après le soir Tubarama, dimanche François, samedi y a rien. Personne fait de stream le samedi. Peut-être Loulou l'après-midi. Eh, je suis con. Samedi y a rien. Et je dis samedi y a rien. Mais si les gars, il y a concert à 18h. Venez écouter mon concert à 18h. Ça va être sympa, on joue vraiment des trucs de comédie musicale, musique de Disney, musique de film. C'est un programme détendu, quoi, un programme famille, quoi. Ça change un petit peu, ça fait plaisir. Du coup, voilà. Eh ben, écoute, François, on va terminer cette vidéo tranquillement, du coup. C'est ça. Ah, ça y est, ça marche. Merci à tous d'être passés. Ouais, merci. Il y avait du monde, ça fait plaisir. Rendez-vous, quand est-ce que c'est la jeune trad? Dans 2 semaines, du coup? Oui. Ce sera en plein pendant les vacances, du coup. Et ben voilà. Et on fera un vote. On fera un vote, du coup, parce que là, il y a encore Elmer qu'on n'a pas traduit. Il y a une vidéo d'Elmer, j'ai une vidéo, je crois, sur Sandoval aussi. J'ai Tom Houghton aussi, qui est un peu moins connu. Ah oui, moi, donne des masterclass, c'est très intéressant. Ouais, et sa vidéo est vraiment pas mal, c'est une vidéo... conseil how to practice with Tom Houghton. Tom Houghton, et il donne vraiment des conseils sur la méthode de travail. C'est assez intéressant. Ben on peut mettre ces différentes vidéos en sondage et puis comme ça. Ouais, alors le problème c'est que je peux mettre 2 personnes en sondage à chaque fois. Plus. Bah ouais, bah je mettrai Elmer qu'on avait déjà et Tom Houghton du coup. Voilà. Bon voilà. Et puis on verra bien. Et de toute façon, si vous en avez, envoyez-les-nous par mail. Ou par message privé sur Discord, sur... C'est vrai qu'il y a Discord aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Sur Facebook, vous pouvez nous envoyer un message privé. Enfin voilà, nos comptes sont plus ou moins publics. Même toi, t'as une page, je crois, de toute façon, François Frémaux, où on peut t'envoyer. Donc n'hésitez pas à envoyer tout ça. En attendant, bonne soirée tout le monde. Et puis... Et bonne soirée. Salut François, à bientôt. Je quitte tout du coup, je vais me coucher. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Et à très bientôt les loulous.